Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence en live. Voilà, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Nous avons deux opératrices qui relèvent les questions et qui nous les transmettront. Qui sommes-nous? Eh bien, comme la dernière fois, nous sommes un petit groupe, un petit collectif avec l'association Arbres et Paysages d'OTAN, la MJC Roguet, Greenpeace et le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. L'année dernière, au niveau des conférences que nous avons organisées, l'idée c'était de décrire un petit peu qu'est-ce qui se passe avec l'arbre, la forêt, qu'est-ce qu'il y a dans cette biodiversité, comment ça se passe, comment ça se compose. Bref, nous voulions un peu expliquer comment ça fonctionnait un arbre, comment ça fonctionnait une forêt. Nous en avons fait un film, Asphyxie. Il est en libre accès sur YouTube. Et puis, cette année, nous avons pris un autre angle de vue, qui est la mobilisation citoyenne, civique, pour le pouvoir citoyen, pour défendre un petit peu ces arbres et ces forêts. Alors cet après-midi, vous aurez quatre intervenants. Un premier intervenant, Francis Allais, que vous connaissez probablement. Pratiquement tous, de par ses conférences, de par sa notoriété, de par ses écrits. Francis nous parlera de la création d'une forêt primaire en Europe. Deuxième intervenant, Dominique. Dominique qui nous parlera du collectif Touche pas ma forêt dans les Pyrénées, à Lannemezan. Collectif qui se mobilise avec une cinquantaine d'associations et d'organisations contre l'implantation d'une mégasyrie à Lannemezan. Une mégasyrie qui devrait déforester tous les massifs des Pyrénées. Troisième intervenant, eh bien, le GNSA avec Thomas Braille, notre grimpeur national. Quatrième intervenant, une demoiselle, Justine Delagosi. Justine qui nous parlera de sa mobilisation dans son village à la Barthe contre l'implantation de plusieurs logements prévus et qui devaient aussi, là aussi, déforester toute une partie du secteur. Donc des combats réussis. Voilà. Ce que nous voulons, c'est quand même sensibiliser les citoyens, c'est-à-dire vous et nous, sur un enjeu majeur, essentiel, qui est la préservation des arbres et des forêts, notre usine à oxygène, qui plus est gratuite, et aussi notre préservation pour nous de l'espèce humaine demain. C'est pour nous essentiel. Francis, je te laisse la parole. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser les questions en direct sur le mail, sur le chat, et on vous répondra. Francis et les intervenants vous répondront. Francis, je te laisse te présenter et présenter ton projet. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. J'ai pas besoin de ça. Ça marche le micro là? Bon. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça m'intéresse de vous présenter un projet que j'ai, qui est un peu fou, mais qui me tient vraiment à cœur, favoriser la renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Je ne vais pas insister sur les bases de tout ça, j'admets sans doute que vous savez ce que c'est qu'une forêt. Je voudrais tout de même ajouter deux détails. D'abord, la forêt, ce n'est pas seulement des arbres, c'est aussi la faune. Une forêt sans la faune, ça n'existe pas. Ce n'est pas une forêt. Voilà. Les deux sont liés. Un autre point qui me tient à cœur, c'est qu'une plantation d'arbres, ce n'est pas une forêt. Quand on me parle de forêt de pin des Landes, ça me fait rigoler parce que ce n'est pas une forêt, c'est une plantation de pin. Attendez, c'est complètement différent. Une forêt, c'est un écosystème naturel où les arbres ont des âges. D'abord, il y a beaucoup d'espèces d'arbres, et ensuite, les âges sont divers. Et puis, ce n'est pas fait pour être abattu, et ça va donc durer indéfiniment. La durée de vie d'une forêt, ça se compte en milliers d'années. La plantation, par contre, c'est une entreprise artificielle à vocation industrielle. Les arbres vont être abattus très vite, très tôt,
Et donc tout le carbone qu'ils avaient capturé va repartir dans l'atmosphère, ça c'est clair. Et puis il n'y a pas de biodiversité, alors que dans la forêt naturelle, c'est un élément essentiel. Je vais insister un peu plus sur ce que c'est qu'une forêt primaire, parce que comme on n'en a plus en Europe, beaucoup de nos contemporains ici ne savent pas ce que c'est. Ils en ont simplement jamais vu. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été exploitée, qui n'a jamais été défrichée. Et ça se caractérise par la taille maximum des grands arbres, la taille maximum dans l'espèce considérée, et le diamètre maximum des gros troncs. Et c'est une forêt où il fait sombre. Bon, bien entendu, pas en hiver dans les régions tempérées, parce que les feuilles sont plus là. Mais en été, c'est sombre. J'ajoute que la canopée est fermée, c'est pour ça que c'est si sombre. Et les sols sont d'une qualité maximale. La diversité biologique, la biodiversité, elle est maximale également. Et c'est peut-être un peu subjectif, mais c'est la plus belle forêt. C'est les plus belles forêts. Alors, il a pu se faire qu'une forêt comme ça ait été exploitée dans le passé. Mais il se trouve que si le temps qui s'écoule est suffisamment long, les caractères de forêt primaire sont parfaitement capables de revenir. Une forêt abîmée, c'est une forêt secondaire. Pas de souci pour distinguer une forêt secondaire d'une forêt primaire. Il n'y a pas besoin du tout d'être botaniste, il suffit de regarder et c'est évident. J'ai juste deux comparaisons à ce sujet. Une qui me vient de l'université de Montpellier. Une forêt primaire est à la forêt secondaire ce qu'un grand champagne millésimé servi frappé dans une haute coupe de cristal, dans une haute flûte de cristal, est à un coca tiède dans un gobelet en carton. Il y a aussi une formule que je ramenais des États-Unis, de James Balogh. La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. C'est un peu dur, mais c'est facile à comprendre. Et c'est vrai qu'entre les deux types de forêts, il y a une différence énorme. Je voudrais dire que quand l'être humain est arrivé en Europe, il y avait des forêts primaires partout, depuis la Bretagne jusqu'à la Russie, voilà, et même après. Nos ancêtres, qui n'avaient pas un mot d'écologie dans la tête, je ne peux pas leur reprocher ça, qui n'avaient aucune idée de se battre pour protéger la biodiversité ou pour éviter le changement climatique, nos ancêtres, ils ont vu ça, ils se sont dit c'est une ressource magnifique. En bois, ils avaient besoin de bois, bien sûr. Ils ont compris que la terre était extrêmement fertile sous la forêt. Donc, ils ont tapé dans cette forêt pour se faire du bois et pour libérer des terres agricoles. Et je ne peux pas leur en vouloir. Moi, j'aurais fait pareil. Au milieu du 19e, enfin, cette destruction, elle s'est étendue sur des siècles. Rappelez-vous l'histoire des moines défricheurs, par exemple. Bon, au milieu du 19e siècle, les dernières forêts d'Europe ont disparu. Les dernières forêts primaires d'Europe ont disparu. Et il ne restait plus que Białowieża en Pologne, qui est une merveille intégrale. Si vous avez la possibilité d'aller voir Białowieża, ça vous donne une idée de ce qu'était la forêt primaire de plaine. De plaine, parce que dans montagne, c'est différent. C'est différent parce que les arbres sont beaucoup moins beaux, beaucoup moins grands, beaucoup moins intéressants. Une merveille absolue. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de sentiment océanique. C'est une notion qui commence à faire son apparition et qui est liée aux forêts anciennes. C'est très difficile à décrire, j'ai essayé. Il faut être seul et il faut être dans une forêt, une très belle forêt si possible. Au minimum, faut qu'il y ait des arbres. Et puis tout d'un coup, c'est brutal. Vous êtes submergé par un sentiment de beauté absolue et de complète poésie. Ça a été appelé océanique, non pas que ça soit
fréquent sur la mer, parce qu'en fait, les témoignages qu'on a, c'est généralement pas maritime. Par contre, c'est océanique parce que c'est gigantesque. Vous avez la très curieuse impression, tous ceux qui ont témoigné de ça sont d'accord, il n'y a plus de limite entre votre être et la nature qui vous entoure. Vous faites totalement partie de la nature. Bon, je ne vais pas insister sur ce sentiment océanique, mais ça m'intéresse de savoir, de connaître ceux qui l'ont eu, et puis d'avoir des témoignages à ce sujet. Et si vous n'en avez pas eu, eh bien, je vous le souhaite vivement, d'avoir un sentiment océanique dans une belle forêt. Ça vous rend profondément heureux, c'est inoubliable. Et on se dit, bon Dieu, si je savais susciter un sentiment comme ça, je serais probablement porté à en abuser. Donc, plus de forêts primaires à part Białowieża, en Europe. C'est dommage parce que dans les pays industrialisés et riches, un peu comme le nôtre, ils ont gardé des forêts primaires. Les États-Unis, la Russie, le Canada, la Chine, Chine tropicale et Chine tempérée également, le Japon, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Australie avec la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là, bon, l'être humain est arrivé plus tard, donc c'était plus facile pour eux, plus tard qu'en Europe, je veux dire. Donc ils ont gardé des très beaux morceaux de forêt primaire et ils sont drôlement contents de l'avoir fait parce que ça se révèle d'un très grand intérêt. D'où mon projet européen de favoriser la renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Forêt primaire de plaine, parce que c'est de ça qu'on a besoin. La surface nous est imposée par la faune. Si on veut avoir toute la faune des forêts primaires européennes, que l'on connaît très bien, hein, il faut 70 000 hectares. C'est d'ailleurs imité de la forêt polonaise dont je vous parle. Parfait. 70 000 hectares, certains me disent, mais c'est gigantesque. Mais non, ce n'est pas gigantesque. C'est un carré de 26 km de côté. Et quand je suis en Espagne, j'ai trouvé une comparaison qui rassure beaucoup les Espagnols. C'est comme l'île de Minorque, dans les Baléares. Pas Majorque, hein, Minorque. C'est donc un tout petit point sur la carte de Méditerranée. Tu pourras vérifier sur la carte, Philippe. Non, c'est pas grand. Et puis, voilà, c'est... Si on veut avoir la grande faune, avec des ours, des lynx, et des aurochs et des bisons d'Europe, il faut cette surface-là. La surface nous est donc imposée par la faune. Quant à la durée, elle nous est imposée par les arbres. Parce que, au départ, on va avoir des forêts de pionniers, des forêts secondaires. On peut les trouver belles, mais c'est parce qu'on n'a pas la référence que constitue la forêt primaire. Alors au départ, il va falloir attendre que ces pionniers grandissent, vieillissent et meurent. Ce serait par exemple des bouleaux ou des pins. Viendront ensuite les post-pionniers qui vont durer plus longtemps, des frênes, des érables, etc. Et il va falloir là aussi que cette deuxième forêt secondaire, elle grandisse, elle vieillisse et elle meure. Il viendra après la troisième vague de forêt, c'est-à-dire les arbres de la forêt primaire, des chênes, des hêtres, etc., des ifs, des houx, etc. Bon. Et là, il va falloir attendre que ces arbres de forêt primaire aient atteint leur dimension maximale, et à ce moment-là, c'est gagné. Les chiffres sont assez impressionnants. Si on part d'un sol nu, il va falloir 1000 ans. Les trois vagues forestières cumulées, ça fait 10 siècles. On ne va pas partir d'un sol nu, bien sûr. Si on part d'une forêt qui a 400 ans, ça me paraît possible, eh bien, il restera 6 siècles à attendre. Et si on part d'une forêt qui a 800 ans, bon, il ne manquera plus que 2 siècles, 3 fois rien. Et attendez, c'est pas un choix, ça. C'est le rythme de la nature. Personne n'est capable d'accélérer d'accélérer ce processus. Si on veut une forêt primaire, il faut attendre cette durée-là. Voilà.
On pourrait, on, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne plante pas les arbres? Eh bien, je voulais expliquer. Des plantes, planter des arbres, ça fait des plantations, ça ne fait pas des forêts. Alors, où est-ce qu'elle va se situer, cette forêt? D'abord, on a fondé une association, loi de 1901, pour gérer ce projet. Et cette association, elle se trouve devant cinq choix. Ah oui, il faut que ça soit transfrontalier, parce que ça doit être un projet européen. Donc c'est entre la France et les pays qui nous entourent. Ça pourrait être la France et la Belgique et la France, au niveau des Ardennes. Je crains que ce soit un petit peu trop en montagne. Ça pourrait être entre la France et l'Allemagne, au niveau du Palatinat allemand et des Vosges du Nord en France. Il va falloir qu'on aille voir tout ça dès qu'on pourra se déplacer. Avec la Suisse, il y a le Jura, mais là je crains que ça ne soit un peu trop haut, ce qu'on appelle le Mont Rizou. Entre la France et l'Italie, je pense qu'il y a des possibilités, mais je ne les connais pas du tout. Et entre la France et l'Espagne, il y a la forêt de la Massane dont on me parle, et il va falloir que j'aille voir tout ça. Bon. Impossible de réduire cette durée. Voilà, il va falloir, si on veut une forêt primaire, en Europe de l'Ouest, il va falloir attendre des siècles. Mais pourquoi pas? Où est le problème? Il suffit d'une volonté politique suffisante et d'une conscience écologique des populations environnantes suffisante également. Dans une forêt primaire, on ne récolte pas le bois mort, bien sûr. Les arbres qui tombent, eh bien, ils tombent au sol, ils pourrissent sur place. Et c'est essentiel de les laisser, parce que c'est ça qui met en place les premiers niveaux des chaînes alimentaires qui vont conduire jusqu'à la grande faune. Si on veut avoir une biodiversité très riche, il est essentiel de laisser sur place non pas seulement les troncs, mais tout ce que produisent les arbres, leurs feuilles, leurs rameaux, etc. La question des visites. C'est terrible quand on parle aux journalistes, je ne veux pas discours toi avec les journalistes, mais il y en a qui font semblant de ne pas comprendre ou qui ne veulent pas comprendre. Et ils ont pensé que cette forêt primaire était totalement interdite à tout le monde. C'est faux. Les visites seront non seulement autorisées, mais favorisées. Nous, on le fait parce que l'Europe n'a plus ce type de forêt et qu'on aimerait que nos contemporains puissent voir ça et en profiter. Donc les visites seront parfaitement possibles. Il y a simplement un minimum de respect à avoir. Et le point essentiel, c'est de ne jamais marcher au sol. Les vieilles forêts ont des sols très meubles. Et si vous marchez dessus, ça tasse le sol. Bon, je ne parle pas d'un passant, mais si on a des flots de touristes qui circulent, ça tasse le sol, ça fait mourir les racines et assez rapidement, les arbres meurent de part et d'autre de la piste. Donc, il faudra marcher sur des petits ponceaux en bois, 30 ou 40 cm de haut, en bois, bien large, il n'y a pas de problème. Et dans beaucoup de parcs nationaux, que ce soit aux États-Unis ou en Australie, c'est ce qu'on fait, on ne met pas le pied au sol, on marche sur des petits passages comme ça. Ça, on n'a pas l'air, mais ce projet, il y a des aspects philosophiques qui me paraissent importants. Ça ne vous aura pas échappé que dans l'être humain, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, l'être humain, il est persuadé qu'il est supérieur à la nature, qu'il sait mieux faire qu'elle, et que donc il est chargé de surveiller la nature, de remédier à ses défauts et d'augmenter ses performances. C'est d'une arrogance incroyable. Il faut savoir que sur notre planète, les forêts existent depuis le Dévonien, c'est-à-dire 380 millions d'années. Des magnifiques forêts. On se demande comment elles vivaient, puisqu'on n'était pas là pour les soigner. C'était pourtant le moment où les plus belles forêts étaient là. Non, cet anthropocentrisme, nous allons exactement contre, puisqu'il s'agira de se faire tout petit et de ne rien faire. Mais vous savez, c'est dur, hein, de ne rien faire. J'en parle souvent à des collègues forestiers.
ils me disent, oh, ton truc, on connaît, ça va être, passez-moi l'expression, un bordel infâme. Parce qu'il y a du bois mort. Les gens vont dire, c'est une forêt en train de mourir. Parce qu'ils n'ont pas compris que le bois mort, c'est essentiel pour la biodiversité. Je me suis renseigné sur les programmes des écoles forestières. Nancy, la meilleure qu'on ait, mais c'est pareil en Grande-Bretagne et c'est pareil en Allemagne. Écoutez bien, une forêt qu'on n'exploite pas, elle va s'étouffer et mourir. D'ailleurs, c'est transposable au niveau de l'arbre. Ils enseignent aussi, un arbre qu'on ne taille pas, il va s'étouffer et mourir. L'arrogance du primate humain me stupéfie. Il n'y a pas que cet aspect d'anthropocentrisme, et c'est sans doute le principal. Et un autre aspect philosophique, c'est que ça vous aura pas échappé. Tout va de plus en plus vite, que ce soit les transports, les communications, l'informatique, la robotique, je ne sais quoi. C'est considéré comme une victoire extraordinaire de gagner une heure, même une minute, voire même une seconde. On est extrêmement content de ça, mais personne ne prend la peine de nous expliquer pourquoi il faut aller de plus en plus vite et à quoi ça va nous servir. Quoi qu'il en soit, on a tous dans la tête cette nécessité d'aller vite, cette espèce de tyrannie de l'immédiat. Alors notre projet avec tous ces siècles, c'est pas du tout le même genre. Un mot sur les finances. D'abord, je ne m'inquiète pas du tout, parce qu'il y a des quantités de fondations qui sont prêtes à nous aider. C'est même incroyable. Moi, je pensais qu'un projet comme ça, visant la forêt primaire, alors que les Européens ne savent pas ce que c'est, si j'ajoute après qu'il va falloir attendre des siècles, je m'attendais réellement à ce que les gens me disent « Écoute, ton truc, oublie-le, ça ne nous intéresse pas ». Eh bien, pas du tout. On en est à 3000 adhérents en moins de 2 ans, et les fondations qui cherchent à nous aider sont extrêmement nombreuses. Donc il n'y a pas de problème de finances. On a besoin de finances en ce moment pour faire tourner l'association avec différents corps de métiers. Il faut des juristes, il faut des forestiers, il faut des biologistes, il faut des cinéastes, etc. Et puis il faut qu'on puisse se réunir. Il faut qu'on puisse aller voir les différents sites dont je vous ai parlé. Et quand le projet marchera, il faudra prévoir des finances de gardiennage et de pare-feu. Il ne faut pas que ça brûle. C'est pour ça que je suis un petit peu inquiet pour le projet franco-espagnol, parce que j'ai peur du feu dans ces forêts méditerranéennes. Dans le fond, c'est un projet qui n'est ni rentable, ni coûteux. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un hommage à la vie. Mon ami Jean-Claude Génaud, qui est forestier dans les Vosges, il a écrit cette phrase, je vais terminer avec ça. Il parle de la forêt polonaise. Ah oui, j'ai oublié de dire que cette forêt polonaise, elle est terriblement menacée. C'est une grande merveille, mais le gouvernement d'Andrzej Duda, qui est actuellement à la tête de la Pologne, ce sont des gens qui n'ont aucune espèce de sensibilité écologique. Et donc, quand on voit les chênes qu'ils ont là-bas, eux, ils les voient en termes de stères de bois, c'est tout, un moyen de gagner de l'argent. Moi, je ne vois pas les arbres comme ça. Mais cette forêt, elle a commencé à être exploitée. Et donc, si on veut la voir, il faut peut-être se dépêcher. Le point de vue de Jean-Claude Génaud sur Białowieża, un véritable temple de la forêt naturelle européenne vers lequel convergent les admirateurs de la nature, dont certains pleurent littéralement devant cette beauté à jamais perdue en Europe occidentale. À jamais perdue, dit Jean-Claude Génaud. Mais pourquoi ? On va en refaire une. Je compte sur vous pour nous aider. J'ai fini. Est-ce que il y a peut-être quelques questions ? Il faut que je reste là. Oui. Est-ce qu'on a des questions sur le mail ? Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des informations sur comment se rapprocher en fait ?
Ah oui, j'ai dit qu'on avait créé une association loi de 1901. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un peu plus d'informations si on veut se rapprocher en fait de ce projet? Oui, très bien. Notre association, elle a un site dont je vais donner l'adresse. Il faut taper forêt primaire en un seul mot et au singulier. Forêt primaire francisallais.org. Voilà. francisallais.org. Voilà, et ceux que ça intéresse, ils auront le point presque quotidiennement. C'est très très bien fait. Et s'il y a des nouveautés ou des choses qui se déclenchent, ça sera là-dessus. Et ceux qui s'y intéressent et qui veulent se joindre à nous, eh bien, ils auront la marche à suivre. Bonjour Francis, j'ai une petite question concernant les forêts qui ne sont pas naturelles, ce qu'on appelle des forêts de plantation. Je vous entends pas, excusez-moi. Quand on parle de forêt, justement, pour revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la notion de forêt qui n'est pas naturelle, est-ce qu'on peut espérer, si on laisse ces forêts tranquilles, retrouver justement ce côté naturel? Oui. J'imagine que vous parlez des landes, là. Oui. Alors, effectivement, on peut faire une plantation dans un but précis, et puis le but, il disparaît. Ils ont ça en Espagne. Bon, donc, on laisse les arbres plantés, on ne les exploite pas. Eh bien, très clairement, il s'introduit d'autres espèces, et petit à petit, les arbres plantés vont mourir, et on va se retrouver devant une forêt naturelle. Vous avez raison. Mais il faut reconnaître qu'au départ, quand on fait la plantation, ce n'était pas ça qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est une exploitation à court terme. Là, je crois que c'était pour des poteaux de mine. Bon, je confonds peut-être avec l'Espagne. On plante des pins pour faire des poteaux pour les mines. Puis il n'y a plus de mine, donc on utilise la résine. Puis finalement, on peut les utiliser comme bois de feu. Mais le mieux, c'est de ne pas les utiliser du tout. Alors, ça redevient une forêt naturelle, en effet. Merci. On a d'autres questions? Bonjour Francis Allais. J'avais une question par rapport à cette forêt primaire. Est-ce qu'il y aura la possibilité de la mettre sous la protection, par exemple, de l'UNESCO pour qu'elle soit vraiment... Je veux bien. Ça sert strictement à rien. Mais pour qu'à long terme, puisqu'on sait que c'est sur des générations et des générations et des générations. C'est transgénérationnel. Oui. Voilà, pour qu'en fait, on s'assure que dans le temps, ça soit bien préservé. Ah ben, c'est une question de volonté et de résolution des gens qui vont habiter là dans ces siècles. Alors, la protection de l'UNESCO, je ne voudrais pas être discourtois, mais ça ne sert strictement à rien. Oui. L'UNESCO, depuis qu'ils ont cessé d'être financés par les États-Unis, ils n'ont plus de moyens. Alors, ils font des réserves, mais ils savent à peine où c'est sur la carte. D'accord. Quant à se battre pour les protéger, non, ils n'ont pas les moyens. Et cette forêt, elle aurait la possibilité de passer en termes de réserve, enfin, elle aurait quoi comme statut, en fait? Alors, ça n'a jamais été fait de recréer une forêt primaire, ni sous les tropiques, ni dans les zones tempérées. Donc, il va falloir mettre au point des instruments juridiques qui n'existent pas. Des instruments juridiques sur le très long terme. Alors, c'est pour ça qu'il faut des juristes. Travail des juristes. Ah, voilà, c'est ça. Par chance, on est soutenu par la Commission européenne. Et là, voilà, ils ont des juristes. Et évidemment, ça ne pourra marcher que s'il y a une décision politique nationale et une décision politique de l'Europe. Mais bon, je suis assez optimiste puisqu'ils n'arrêtent pas de nous supporter. Voilà, ils nous encouragent beaucoup. Une autre question, Francis. Puisque les forêts survivent très bien sans humains, pourquoi le métier de forestier existe-t-il? Bonne question. Est-ce que c'est seulement pour profiter de cette ressource carbone? Pas de cette ressource carbone, de cette ressource en bois. Alors effectivement, des forestiers très astucieux, et il y en a beaucoup, ils sont capables de te sortir du bois indéfiniment d'un massif forestier naturel.
Ça, ils savent le faire. Simplement, je me dis que ça n'est malgré tout pas respectueux pour la forêt. C'est pas respectueux pour l'arbre de l'abattre et c'est pas respectueux pour la forêt de l'exploiter. Moi, la solution que je proposerais, comme nous avons tous besoin de bois, énormément de bois, ça serait d'avoir des plantations, d'ailleurs on en a beaucoup, de plus en plus, des plantations qui serviraient à couvrir nos besoins en bois, dans tous les domaines de l'utilisation du bois. À part ça, des forêts laissées en libre évolution et qui ne devraient pas être exploitées. D'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu effrayant quand on y pense. Il y a un antagonisme complet entre la biodiversité et l'industrie. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la forêt, dans tous les domaines c'est pareil. Quand il y a trop de biodiversité, l'industrie, elle est dans l'embarras. Autre question. L'espace que vous avez choisi, est-ce qu'il interviendra uniquement des arbres en décomposition? Est-ce qu'il sera... Attendez un petit instant. Est-ce que l'espèce que vous allez choisir, est-ce qu'il contiendra uniquement des arbres endémiques? Ça veut dire quoi, un arbre endémique? Je suppose qu'il est un arbre du sol approprié du... Excusez-moi, mais en tant que biologiste, ça me fait rigoler. Bon. Ça me fait rigoler parce que si on cherche les arbres originaires de Toulouse, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'être humain est ainsi fait que quand un arbre s'installe, au début, il est jugé exotique, étranger, tout ce que vous voulez. Mais à mesure que les années passent, on oublie qu'il vient de l'extérieur. Et avec un certain temps, ça devient un arbre de chez nous. Voilà. Vous savez, le chêne, le symbole de la forêt d'Europe, vous savez d'où il vient? De Bornéo. Parce que si on regarde le genre Quercus, il y a plus d'une centaine d'espèces. Et à part quelques chênes qu'on a ici, tous les autres sont tropicaux. C'est un peu comme le coq gaulois. Le coq gaulois qui est sur nos clochers. Il vient de Nord-Thaïlande, à la frontière de la Thaïlande et de la Chine. C'est ça les choses de chez nous. C'est des choses qui sont arrivées chez nous et qui sont arrivées tellement longtemps que on a pris l'habitude de les considérer comme des plantes qui sont nées ici. Alors pour répondre à votre question, on ne va pas planter des arbres du sud-est asiatique ou des États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que les arbres autochtones... Ils ne sont pas plus autochtones que les autres. C'est simplement très ancien. Oui. Les trois vagues dont tu as parlé, est-ce que, en fait, comment vont arriver les graines? Comment va se perpétrer ces trois vagues? C'est une question. Aucun souci. Les plantes arrivent par elles-mêmes, d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure avec la plantation de pins dans les Landes. Un morceau de terre où il y a de la place, il ne faut pas s'inquiéter d'y voir arriver les graines, elles arrivent toujours. Ça peut être le vent, ça peut être les oiseaux, ça peut être les fourmis. Enfin, il y a des dispositifs de dispersion des graines qui sont infinis et qui marchent très très bien. Donc il suffit d'attendre. Et c'est ça la difficulté, c'est de disparaître. C'est de ne rien faire, d'apprendre à ne rien faire. Alors, une autre question. Donc, comment réagit une forêt quand on ne coupe que les arbres les plus mûrs? Est-ce que ce n'est pas à ce prix-là, en fait, que les arbres les plus jeunes peuvent pousser en dessous à leur tour? Non, c'est faux. C'est faux. Mais attendez, dans les grandes forêts tropicales, si on ne coupe pas les grands arbres, eh bien les petits arbres, il y en a pas mal qui meurent. Mais de temps en temps, il y en a un qui pousse. Et dans le fond, pour remplacer un grand arbre, il suffit d'un petit arbre. Donc tout ça est parfaitement mis au point par la nature. C'est pour ça que se mêler de ces mécanismes-là, ça me paraît extrêmement présomptueux. Il vaut mieux laisser faire et apprendre de la nature comment ça se passe. Alors, il y a...
Il y a peut-être une dernière question, parce qu'il y en a beaucoup. Quel va être l'impact, ou quel pourrait être l'impact du réchauffement climatique sur un tel projet ? Ah, bonne question, mais qu'est-ce que je peux répondre ? Le réchauffement climatique, on est en plein dedans, et on n'y coupera pas, ça c'est clair. Est-ce que c'est de nature à détruire une forêt ? Je ne le crois pas. Il y a quelque chose qui échappe très souvent aux forestiers. Ils ne savent pas qu'un grand arbre, ça contient plusieurs génomes. Plusieurs génomes de la même espèce. Bon, la variabilité, elle est déjà prévue dans la structure même de l'arbre. Si le climat change, eh bien, le génome actuel n'étant plus vraiment adapté, l'arbre va mettre en avant un autre génome, et par chance, il l'a déjà. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de problème pour l'adaptation des arbres au changement climatique. Je vois que les forestiers se donnent beaucoup de mal pour faire monter des plantes du sud dans le nord, etc. Moi, je vous donne mon avis, le changement climatique, ce n'est pas pour les arbres qu'il faut s'en faire, c'est pour nous. Et juste peut-être une dernière, que pensez-vous de la gestion des forêts communales par l'ONF ? Peut-on s'appuyer sur l'ONF pour la création d'une forêt primaire ? Eh bien, j'ai un rendez-vous bientôt avec le directeur général de l'ONF. Je voudrais, pas tellement lui demander son aide, mais lui demander de ne pas commencer par exploiter les surfaces qu'on va essayer de mettre en réserve indéfiniment. Parce que quand on ouvre un parc national, il est assez constant que l'ONF arrive et rase et prenne tous les grands arbres. En disant, c'est un manque à gagner pour nous si vous mettez cette parcelle hors de toute exploitation. Je vais demander au directeur général de l'ONF de ne pas procéder comme ça. Voilà. Extinction Rébellion nous a rejoint. Il y a une question. Je vais essayer d'être très très bref. En fait, j'ai trois questions. La première, c'est plus... moi, j'ai tout de même des inquiétudes sur la capacité des espèces à s'adapter à la vitesse du changement, qui est incomparable par rapport à ce qui s'est produit dans l'histoire de notre planète. Non, il y a eu des changements climatiques très très brutaux. D'accord, merci beaucoup. Non, je pense... Enfin, ça reste des domaines mal connus. Mais si vous voulez, je crois... Sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Très bien. Le problème, ça va être l'acceptabilité par les gens du coin. Très bien. Et sur les filières bois dont vous parliez tout à l'heure, du coup, est-ce qu'il ne serait pas pertinent dans certains milieux, et autant lorsque c'est possible, de remplacer certaines filières bois par les filières chanvre, qui seront peut-être plus intéressantes sur... Les filières ? Chanvre. Chanvre. Chanvre, voilà, qui est un matériau qui, dans certains cas, peut remplacer, et aussi revenir à des techniques d'agroforesterie telles que les trognes, qui étaient un grand classique, qui étaient utilisées, ou les pétards, ces choses-là. Oui, tout à fait. D'une façon générale, toutes les techniques agroforestières, elles devraient se développer. Je constate que c'est l'inverse qui se produit. La forêt, nos forêts, elles sont de plus en plus traitées comme des entreprises agricoles. Voilà, des abattages avec des coupes rases, des engrais, des pesticides. On a même utilisé en France le défoliant orange. C'est ce que j'apprends dans le bouquin d'Alens. Ouais. Et donc, on traite la forêt comme de l'agriculture. Alors que dans le même temps, dans le domaine agricole, on se dit que la bonne solution, ça serait d'imiter la forêt. C'est assez drôle. On va voir. Il vaut mieux. Merci Francis. Tu restes avec nous dans la salle. Nous avons d'autres interventions. Éventuellement, on viendra te rechercher pour le caractère, si on a besoin d'un caractère scientifique à nos réponses. Dominique Delarmi, je te laisse te présenter. On a beaucoup parlé de forestiers, là. Bonjour, Dominique Delarmi. Donc, je suis porte-parole du collectif Touche pas à ma forêt Pyrénées. Alors, ce collectif, je vais vous présenter un petit peu à la fois sa genèse et ses motivations. Le point de départ, déjà je vais partir d'un point de départ du contexte forestier et politique forestière globale au niveau national. Depuis très longtemps, la filière bois, dont il a été un peu question précédemment, est une filière qui est reconnue déficitaire avec, je fais un peu simple, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais... grosso modo, des bois qui partent à l'étranger pour être transformés et qui nous reviennent en produits finis en France.
Premier problème. Deuxième problème, depuis plusieurs décennies, une politique gouvernementale, des différents gouvernements qui sont succédés, qui avait pour fil conducteur d'exploiter plus. Il fallait récolter plus de bois, récolter plus de bois. Troisième élément de contexte, la politique de la réforme territoriale, qui a créé un déséquilibre entre les territoires ruraux et la création des méga-régions et des territoires. Il y a eu des métropoles, pardon. Donc il y a eu un phénomène de concentration des pouvoirs et des richesses dans certains endroits, avec une diminution de l'autre côté. Donc dans ce contexte, ben, localement, la tentation a été naturelle pour les élus locaux d'essayer de voir comment ils pouvaient quand même tirer leur épingle du jeu à partir des ressources qu'ils avaient. Et dans le pays de Nest, donc dans les Hautes-Pyrénées, ils avaient un projet d'essayer de maintenir autant que possible une activité à partir d'une des richesses qui sont sur le territoire, qui est la forêt. Et à partir de là, je fais un peu vite, mais c'est pour donner les éléments de contexte. Donc à partir de là est apparu un projet porté par la communauté des communes du plateau de l'Annemezan avec son président Bernard Planot d'installation d'une scierie donc qui serait la propriété d'un groupe italien, le groupe Florian. Alors ce projet nous est arrivé aux oreilles, d'abord à un premier collectif qui s'appelle SOS Forêt Pyrénées, qui a alors ce projet. Ce que veut l'industriel italien, c'est, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais c'est pour que vous ayez les éléments factuels, veut 50 000 m3 à l'entrée de l'usine de très bonne qualité de hêtre. Pour faire simple, ça revient à couper au minimum 3 fois ce qui est actuellement coupé dans les Pyrénées. Je fais simple, on y reviendra ensuite derrière. On a déjà... En juin 2019, il y a déjà eu une première alerte qui a été faite auprès de l'ONF, de l'État, de la région, des communes forestières pour leur dire non, il nous semble que ce projet-là n'est pas supportable, n'est pas acceptable par rapport aux forêts pyrénéennes. Le temps se passe, pas de réponse, le temps se passe. En commission économique de la communauté des communes de Plateau d'Annemezan, ce dossier sort également. Des élus, certains élus se posent des questions, s'émeuvent aussi de ce que peut contenir ce projet. Dont on apprend également qu'il est couplé avec une centrale de biomasse pour produire de l'électricité et de la chaleur. Là-dessus, les deux, à la fois le collectif et les élus locaux, enfin certains élus locaux de l'Annemezan, se retrouvent sur ce constat qu'il y a un problème, un risque de projet écocide pour la forêt des Pyrénées. Pourquoi on utilise le mot de projet écocide ? Comme je disais, ça reviendrait à au minimum exploiter 3 fois ce qui se fait aujourd'hui. Ça reviendrait aussi à encore taper dans la biodiversité des forêts. Le type de bois que veut l'industriel nous amènerait à prélever des gros bois, autant qu'il y en a encore. Or, depuis des années, avec les politiques dont je vous ai cité précédemment, les politiques nationales que je vous ai cité précédemment, il y a déjà, ce qu'on appelle dans le jargon du forestier, il y a déjà eu une chasse au gros. Donc, l'installation de ce projet entraînerait de nouveau une accentuation de cette chasse au gros. Or, le problème, comme l'a dit Francis Allais précédemment, c'est que une bonne partie de la diversité est dans du bois mort et dans des gros bois. Déjà, sur la partie terrestre, je ne parle pas des océans, sur la partie terrestre, la majorité de la biodiversité est dans les forêts. Dans ces forêts, un quart de la biodiversité est dans les espèces saproxyliques, c'est-à-dire les espèces qui vivent sur les bois morts, pour faire simple. Aujourd'hui, 40% des espèces sont déjà menacées. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait plus de gros bois et plus de bois morts en forêt. Or, ce projet va taper encore plus dans ces catégories de bois. Donc là, il y avait un premier désaccord sur à la fois la ressource. Il nous semble qu'il n'y a pas, la forêt ne peut pas supporter une telle augmentation de la ressource, et un projet écocide dans le sens où ça mettrait encore à mal la biodiversité. Là-dessus, il y a eu un constat assez partagé donc, entre les différents membres du collectif sur aujourd'hui, on a les connaissances
Et il y a une prise de conscience de plus en plus grande de la nécessité de respecter le vivant, pour commencer. Des liens là-dessus, c'est juste une petite digression sans prise de position. Des liens ont été faits éventuellement avec la pandémie du Covid et puis des déforestations dans certains endroits. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ce n'est pas le sujet. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut plus considérer le milieu naturel et en particulier les forêts comme une usine à bois. C'est bien un écosystème forestier. Francis a développé ce point-là. C'est un milieu d'êtres vivants qui vit en interaction, qui, avec des relations dont on ne connaît pas le dixième de ce qui les motive. Il y a de plus en plus de chercheurs qui sortent chaque année des choses qui nous permettent de un peu mieux connaître le milieu forestier. Avec, même aujourd'hui, on parle de communication entre les arbres, via des phéromones, via des racines, etc. Il y a 50 ans ou avant, ça aurait été peut-être été de la science-fiction de dire ces choses-là. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on arrive à objectiver. Donc, on ne peut pas rester dans cette logique de surexploitation des forêts juste pour des questions financières. Parce qu'en fait, le fond de l'affaire, il est là. Donc là-dessus... Sur ces constats-là, un premier collectif donc, s'est monté, le collectif Touche pas à ma forêt, au départ qui est parti petitement, avec des organisations qui se retrouvaient à Lannemezan, qui a très vite dit, bon là c'est un projet qui concerne tous les Pyrénées, et qui pourrait même concerner le sud-ouest du Massif central, vu que même les promoteurs du projet se sont dit, il n'y a peut-être pas assez de bois dans les Pyrénées pour alimenter l'usine, il va peut-être falloir aussi aller en chercher dans les hêtraies du sud-ouest du Massif central. Donc une première phase d'information a été faite sur toute la chaîne avec l'organisation de réunions publiques sur toute la chaîne. Donc de Molay-en-Lichard, en passant par Laurent-Sainte-Marie, Cap-Verne, Saint-Gaudens et Foix. Et au fur et à mesure de ces réunions publiques, au fur et à mesure de l'information qui a été donnée au grand public, aux élus qui ont pu être informés de ce projet, d'autres organisations se sont jointes pour agrandir le collectif et des dizaines et des dizaines de citoyennes et de citoyens. Et aujourd'hui, le collectif est composé de 43 organisations et de centaines de citoyennes et citoyens qui se sont mobilisés donc autour de cette préservation des forêts des Pyrénées et d'une gestion plus respectueuse de la dimension écosystème, de la dimension du vivant, au détriment et non pas juste d'une usine à bois telle que éventuellement ça pourrait être perçu par certaines visions financières. Porté actuellement. Donc on est bien, oui, on est bien sur un choix de vision de gestion d'une forêt, un choix de vision de ce qu'on attend du lien entre le vivant, nos besoins effectivement d'humains, etc. Et donc tout ça pour dire qu'on est bien sur des questions, sur un sujet politique. Voilà. C'était une petite précision qui était importante à donner. Et c'est dans ce champ-là que se situe l'écologie aujourd'hui de manière globale. Au niveau du travail, donc suite à ces réunions publiques, une grosse dynamique s'est créée avec les organisations, avec les citoyens, qui a vraiment été fabuleuse pour la vie d'un collectif. En très peu de mois, en 5-6 mois, il y a une très grosse dynamique, un énorme boulot qui a été fait avec des commissions qui sont créées, des commissions d'information auprès des élus, des usagers, de la jeunesse, des commissions action, des commissions communication, enfin que pour les militants, que des choses peut-être habituelles, mais qui là sont très vite mises en place et avec une très forte dynamique, qui ont abouti à ce que dès le mois de septembre, il y a eu une première marche qui a été faite dans une forêt des Hautes-Pyrénées, où le collectif a même été presque débordé, et tant mieux, nous attendions à une centaine de personnes, et nous sommes retrouvés 300 personnes à cette première marche qui s'est faite de manière un peu rapide. Suivi ensuite au mois d'octobre d'un grand week-end de mobilisation sur tous les Pyrénées, avec des marches qui ont été organisées dans tous les départements le premier samedi, et avec un gros rassemblement final le dimanche sur la commune de Cap-Verne. Avec là, au total sur le week-end, on a brassé plus de 2500 personnes sont venues sur le week-end. C'était, en si peu de temps, c'était fabuleux et ça nous a vraiment montré l'attachement des citoyens à cette dimension forestière et à cette dimension de respect de l'écosystème forestier. Ça a aussi montré à l'État, à la région, qui sont donc deux parties prenantes non négligeables dans ce projet pour la question des financements, mais qu'il y avait une mobilisation citoyenne qui était importante là-dessus et que ça ne pouvait plus se faire sans la prendre en compte. Ce qui fait que du coup,
Nous avons eu une oreille pour l'instant polie avec l'État et la région qui, première victoire grâce à cette mobilisation, a abouti à un moratoire. C'est-à-dire que pour l'instant, le projet est mis en veille. Des études devaient continuer à se poursuivre pour sa mise en place. Il nous a été dit que ces études, pour l'instant, ne se faisaient pas. L'État et la région ont lancé une autre étude pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui posait problème dans ce dossier, qu'est-ce qui, au contraire, pouvait convenir, et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre comme autre alternative à ce projet. Là-dessus, il y a encore beaucoup de travail, parce que de son côté, le collectif, outre la défense de la dimension de la protection de l'écologie et de l'écosystème forestier, le collectif essaye de porter en tout cas une ambition alternative à ce schéma, on va dire, classique d'industrialisation d'usage du bois, avec une grosse usine qui recevrait du bois de tous les Pyrénées du Sud-Massif central. On essaie plutôt de repartir sur une vision plus locale une dimension plus locale d'usage du bois, à deux niveaux. Un, dans l'utilisation du bois. Beaucoup, et encore aujourd'hui, dans cette MJC, nous avons été sur des chaises synthétiques, donc à partir de produits pétroliers, sur des tables en panneaux de particules. Donc bon, là aussi, il y avait des processus industriels. Mais ça a été très classique dans toutes les réunions, quasiment 9 réunions sur 10 qu'on a eues, que ce soit dans des communes, à la région, à l'État, etc. C'était ce circuit-là. Donc c'est juste un constat. Et peut-être que il y aurait déjà des lettres de noblesse à retrouver pour le bois, en tant que matériau un peu plus noble et un peu plus respectueux. Et également dans sa fabrication, avec une filière qui s'appuierait sur les scieries, sur les artisans, sur les ébénistes, sur les menuisiers déjà existants, avec des savoir-faire qui existent, mais qui petit à petit, année après année, ont périclité dans les vallées, avec un petit peu probablement les mêmes phénomènes que dans le monde agricole. Et on voudrait essayer d'influer sur le fait que l'État et la région changent de politique forestière et de politique de la filière bois pour plus s'orienter vers cette politique en usage local du bois, avec des bois qui proviendraient des forêts effectivement locales, des transformations locales, des premières transformations locales, des secondes transformations locales, et donc avec une valorisation tant de la matière que des travailleurs et des travailleurs qui y seront localement. Là-dessus, là par contre, il y a eu des premières discussions. On en est qu'au stade d'échange. Est-ce que ça sera le cas ou pas dans les futures politiques? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Le collectif, en tout cas, y travaille. On a eu pas mal d'échanges, d'autres d'expérience avec d'autres collectifs ou d'autres initiatives qui ont lieu dans d'autres départements. On a eu des échanges avec un collectif qui s'appelait Bois 07 en Ardèche, avec le parc naturel des Pyrénées ariégeoises, avec des communes forestières qui ont déjà fait il y a des choses très, très pratiques qui ont été réalisées en bois local, qui montrent que c'est possible, techniquement c'est possible. Il y a juste un petit peu à retrouver ce savoir-faire, à les redévelopper et surtout à les favoriser pour qu'ils puissent se développer. Là-dessus, en attendant les prochains mois, parce qu'il y a les élections régionales, donc le jeu politique actuellement tel qu'il est fait que beaucoup de choses ne vont pas évoluer pendant ces prochains mois. En tout cas, pour le collectif, ce n'est pas un sujet. Le collectif va continuer la mobilisation. Il y avait ce matin une mobilisation, un rassemblement sur la place du Capitole. Il y en aura d'autres pendant tous les prochains mois de ce printemps dans chaque département. Et avec en point de mire une mobilisation le 5 et 6 juin. On espère une grosse mobilisation les 5 et 6 juin, de nouveau pour un grand week-end de fête de la forêt. Voilà un petit peu, j'ai essayé de vous retracer l'essentiel de ce que prend le collectif. C'est ce que je peux dire dans la vie du collectif. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première phase vraiment magnifique avec jusqu'à l'automne 2020, où il y a eu une grosse dynamique qui s'est mise en place avec la marche,
qui a été très énergivore aussi, et ensuite une deuxième phase avec un besoin de structuration. Là-dessus, suite à cette première phase, il y a eu besoin d'apprendre à travailler ensemble, besoin de se connaître, et des questions qui sont apparues, qui ont nécessité des recalages en termes de comment vont fonctionner les porte-paroles, comment vont fonctionner, comment vont être prises les modes de décision, de créer une charte, est-ce qu'il faut se monter en association, rester en collectif. Il y a eu une phase un peu plus... invisible, peut-être pour beaucoup de citoyens qui nous suivaient, ce qui fait que pendant quelques mois, il y a eu de octobre à janvier, on va dire, il y a eu un petit creux au niveau des informations qui ont été transmises parce qu'il y avait ce besoin de mieux se structurer pour mieux travailler ensemble. Mais maintenant, voilà, cette phase est en train de se terminer et on va repartir sur les actions. Une autre phase qui aussi traverse le mouvement du collectif, je dis ça parce que si éventuellement ça... On a des fois des questions de l'extérieur sur le fonctionnement du collectif, pour d'autres collectifs qui veulent se créer. Il y a la question aussi de la dimension politique. Aujourd'hui, le collectif est composé donc de 43 organisations qui vont d'associations de protection de la nature à des syndicats, à des partis politiques, à des associations plus citoyennes et à des citoyennes tout court. C'est une diversité fabuleuse qui fait la force du collectif, mais c'est aussi un peu sa faiblesse parce que avec la dimension politique que porte le sujet de l'écologie aujourd'hui, qui fait aussi débat au sein du collectif et qui est important de mettre en débat et qui risque d'être aussi important pour les collectifs qui vont se créer. Comment satisfaire les besoins en bois des humains et le besoin de préserver les arbres qui sont les plus efficaces usines à décarboner l'atmosphère? Le problème du CO2 n'est-il pas la priorité? Alors, sur un plan technique, deux choses qui rejoignent ce que dit Francis Allais. On demande aussi à ce qu'il y ait plus de gros bois aussi par rapport au stockage de CO2. C'est-à-dire que contrairement à une idée qui circule pas mal dans les grands médias, c'est pas en remplaçant les forêts aujourd'hui constituées par des jeunes plantations qu'on va stocker plus de carbone. Ça, c'est faux. Au contraire, il faut laisser pousser les gros bois pour qu'ils stockent plus de carbone. Deuxième chose, utiliser le bois comme source pour produire de l'énergie, soit pour l'électricité, soit pour le chauffage, c'est émetteur de CO2. Voilà. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit dans cette salle ou qui nous regarde qui ne veuille plus se chauffer demain. Donc, il y a la question de quelle énergie pour demain. Je sais, aujourd'hui, on peut parler du photovoltaïque, on peut parler de l'éolien, on peut parler d'autres sources d'électricité. Sur chacune, on se poser des questions. Le photovoltaïque, on ne sait pas encore comment on va le recycler. Donc, bon, voilà. Toujours est-il qu'on ne va pas probablement faire table rase du jour au lendemain de la question du CO2. En utilisant le bois comme énergie. Une première déjà mesure, ça serait de l'utiliser pour les usages domestiques et pas pour produire de l'électricité. De ne pas faire venir du bois de 300 km pour éventuellement ceux qui utilisent des chaudières à bois, mais utiliser du bois local. Déjà, ça atténuerait un peu l'empreinte. Après, sur la question qui était... Le problème du CO2. Le problème du CO2, donc ça je viens d'en parler un peu. Et l'usage du bois de manière générale, oui. C'est ça? L'usage du bois de manière générale, alors là c'est un débat qu'il faudra que nous ayons avec des forestiers, avec Greenpeace et d'autres. Effectivement, tout à l'heure, Francis Allais vous parlait de ce que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris, hein, des plantations et les forêts naturelles. Aujourd'hui, entre les deux, il existe des forêts qui sont gérées. Le collectif ne remet pas du tout en cause aujourd'hui la question de la gestion de ces forêts, du moment qu'elles sont... Quand je dis gérées, c'est des forêts qui ne sont pas des plantations, d'accord, qui ont un certain nombre de décennies derrière elles, voire de siècles derrière elles, et qui font l'objet de coupes de bois. La question que plutôt notre revendication, c'est que cette gestion se fasse de manière raisonnée par rapport à un équilibre entre le respect du vivant et de l'écosystème forestier, et effectivement la satisfaction des besoins. Aujourd'hui, où est la limite entre les deux? Je ne sais pas si elle est scientifiquement posée. Ce qu'on revendique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre vers le côté productiviste au détriment
du côté écologique et qu'il faut rééquilibrer vers le côté écologique. Alors, jusqu'où ? Là est effectivement la question. Mais là, c'est un grand débat qui je ne pense pas, soit tranché à ce jour et qu'il va falloir discuter même au sein du collectif. Si jamais, Dominique, cette usine voit le jour, à quoi sera destiné le bois ? Alors, on n'a pas de contact direct avec l'entreprise Florian qui, quand on a essayé de la joindre, n'a pas donné suite à notre demande, pour faire simple. Ce qu'on en a compris, c'est qu'elle faisait pas mal d'ameublement, de cuisine, des choses comme ça, et qu'elle faisait beaucoup d'export dans des dizaines de pays d'Europe et du monde. Donc on suppose que ces bois-là seront, parce que c'est une usine, enfin c'est un groupe qui a déjà 17 scieries en Europe, donc on suppose que ces bois-là suivront le même chemin. Une bonne partie sera sûrement pour ces usines en Italie d'ameublement et pour l'export dans le monde. Il se dit que la Chine ayant détruit ses forêts vient se servir en Europe. C'est déjà le cas. Beaucoup de chênes qui sont aujourd'hui vendus en France partent en Chine parce qu'effectivement, comme ils ont déjà pas mal tapé dans leurs forêts, bien aujourd'hui, ils viennent se fournir effectivement en Europe, notamment en chêne, mais aussi en hêtre. Après la tempête de 99, il y a eu beaucoup de bois de hêtre qui sont partis en Chine. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais vous demander de vous rapprocher pour les questions. Merci beaucoup pour la présentation et puis l'engagement tout autour de ça. Moi, je suis donc membre d'Extinction Rebellion. Nous, on est sur un positionnement qui n'est pas du tout légaliste. On part du constat de l'échec de 70 ans de lutte qui nous mène à la catastrophe bioclimatique. Hein. Moi, personnellement, je ne parle pas de dérèglement ou de réchauffement climatique, parce que souvent ce que les gens entendent, c'est qu'on va mettre un short et on va faire du vin en Bretagne, et c'est chouette en fait. Voilà, donc moi j'emploie le terme catastrophe sciemment, véritablement, et elle est annoncée de longue date. En fait, on pourrait remonter à 72 le rapport Meadows, on pourrait remonter bien avant, enfin un certain nombre de choses. Et nous, en tout cas dans Extinction Rebellion, on est une campagne internationale de désobéissance civile hein, qui cherche à massifier pour amener les changements nécessaires par la construction d'un rapport de force. Donc on pense que tout doit être tenté, donc toutes les démarches que vous décrivez, je les trouve extrêmement pertinentes, intéressantes, indispensables. Mais est-ce que vous posez la question de l'après, face à des, ce que moi j'appellerais des irresponsables politiques, qui font toujours le choix d'aller du côté d'une économie orthodoxe, qui ne prend pas en compte la finitude de ce monde et les lois de la physique et de la biologie, hein, sur laquelle se basent nos lois économiques qui régissent ce monde. Et donc il y a une incompatibilité pour moi. Mais donc est-ce que votre collectif se pose d'ores et déjà les questions de qu'est-ce qui peut se passer après si il y a comme il se passe la plupart du temps en fait le choix d'une loi économique hein, qui est issue de postulats humains sociétaux face à des lois physiques et biologiques qui elles sont difficilement réfutables. Voilà, qu'est-ce que vous prévoyez des étapes suivantes, que vous vous posez la question déjà dans un premier temps, puisqu'on voit un peu partout en ce moment en France et dans le monde naître des ZAD, des choses un petit peu différentes, zones à défendre, des modes d'action un petit peu différents. Et après est-ce que vous pensez à une articulation systémique, parce que là on est vraiment sur le sujet de la forêt, mais comment est-ce que vous articulez ça dans des développements de territoire, avec les questions de résilience, avec ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une pensée de ce côté-là dans vos collectifs ? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on essaie de travailler en intelligence, et comme je vous dis, en essayant de changer la vision de la forêt et du bois, ou de la renouveler, peut-être pas la changer, mais peut-être la renouveler pour certains, et d'influer sur la politique forestière, mais la politique au sens, pas au sens politicien, au sens premier du terme, c'est-à-dire les règles qu'on se donne pour vivre en commun et gérer la cité. C'est en ce sens-là que nous parlons politique, d'accord ? Faut pas mélanger, enfin, faut pas... Aujourd'hui, il y a eu une dérive politicienne, mais c'est pas la politique. C'est pas ça, la politique. Donc, en ce sens, si cette finalité était atteinte, c'est effectivement un changement de système et c'est un changement durable. Alors certes, pour l'instant, on est sur le champ forestier, mais le fondement de repartir sur un usage du bois, sur une transformation locale du bois, porte, je pense, en,
de manière génétique, quand on porte ce discours-là, c'est une autre vision de l'organisation aujourd'hui. Donc en ce sens, je pense que c'est... Alors je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais je pense que ça fait partie effectivement d'un changement de système. Alors ce n'est pas tout le système. Bon, ça sera déjà ça. Sur d'autres moyens d'action, on en parle des fois. On n'exclut rien du tout. Pour l'instant, si on peut arriver à changer cette politique de manière intelligente, ben, tant mieux, pas besoin. Si on peut tous économiser l'énergie, parce que des luttes, il n'y a pas que ça là, il y en a beaucoup d'autres. Donc si on peut vite et très vite, avec les prochaines actions, arriver à ce que effectivement ce projet soit non plus un moratoire, mais définitivement abandonné, régi par un moratoire, mais définitivement abandonné, et qu'on réfléchisse à une autre organisation de la filière bois dans les Pyrénées, qu'on réfléchisse à une meilleure prise en compte de l'écologie dans la gestion des forêts, ben, tant mieux, et on passera du temps sur d'autres luttes où il faudra là aussi travailler pour changer le système. Si d'aventure ça ne devait pas se passer aussi, aussi intelligemment que ça, on n'exclut rien du tout et on réfléchira, enfin on mettra sûrement en place d'autres moyens à ce compte-là pour mieux se faire entendre. Mais chaque chose en son temps. Ce projet-là met en évidence un petit peu le fait que le mode de gestion de la forêt française n'est pas adapté aux enjeux actuels, aux enjeux climatiques entre autres. Je ne parlerai pas de mode de gestion. Je parlerai de choix de gestion et de politique de gestion. Les politiques, c'est pour ça que j'ai introduit le contexte, alors très rapidement, en vous donnant le contexte, on va dire, économico-financier de la filière, avec beaucoup d'exports, peu d'exports. Faut savoir que ce constat d'aujourd'hui n'est pas forcément celui d'il y a 50 ans ou 80 ans. Il y a 80 ans, dans les Pyrénées, il y avait des scieries dans toutes les vallées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est le contexte d'aujourd'hui. Le contexte de la pression d'exploiter plus depuis plusieurs décennies de politique gouvernementale, c'est ces choix-là qui entraînent, par cascade, les dérives contre lesquelles on lutte aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le mode de gestion, parce qu'on peut gérer les forêts, du moins c'est ce que, pour l'instant, ce que porte le collectif, de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Le tout, effectivement, c'est déjà, il faut arrêter cette politique de toujours exploiter plus, de toujours plus voir la forêt comme une simple usine à bois, et non pas comme un écosystème forestier, comme donc un ensemble d'êtres vivants qui peuvent, bien sûr, qui ont déjà, ne serait-ce que par le fait d'être vivant, le droit d'être là, comme nous, comme voilà, tout être vivant. Et après, comment on associe ça? Donc c'est tout le débat qui reste à avoir, comment on associe ça aussi pour remplir les besoins humains de bois. Parce que depuis, sauf à revenir au temps où l'être humain s'habitait dans des grottes, après il y a eu des constructions de maisons, vous avez peut-être chez vous des volets en bois, des chaises en bois, une table en bois. Alors voilà, comment jusqu'où on peut extraire ce matériau noble des forêts tout en respectant l'écosystème forestier. Merci. Et cette gestion-là peut être faite, enfin il nous semble, on peut la faire, donc c'est plus un choix de politique, quels objectifs on donne à la forêt, et après on saura le faire. Merci Dominique, tu restes avec nous dans la salle si d'autres questions arrivent. On va passer à Thomas Braille, qui va se présenter, qui va nous expliquer le GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres, qui va expliquer son mode d'action, qui va nous passer un petit film aussi, je pense. Thomas, je te laisse te présenter. Alors, j'espère que tout le monde a passé un bon repas de famille à midi, parce qu'on va attaquer fort, et ça ne va pas faire forcément rigoler. Voilà, donc Thomas Braille pour le Groupe National de Surveillance des Arbres. Le groupe national de surveillance des arbres a à peu près 2 ans d'existence. C'est une association qui a pour but de défendre, on va dire, l'arbre urbain, mais aussi l'arbre hors des villes, donc l'arbre en forêt aussi.
Voilà, mais on est quand même plus basé sur l'arbre urbain parce qu'il y a beaucoup de dérives qui ont été faites. Donc, j'ai juste envie de vous poser une question à toutes et à tous avant d'attaquer, avant de voir un petit peu le désastre que vous allez voir là et qui se passe partout en France d'ailleurs. C'est quelle est la chose aujourd'hui, et vous me donnerez la réponse à la fin, si jamais j'oublie, vous me rappelez-le moi. Quelle est la chose aujourd'hui qui nous unit tous et où nous avons chacun et chacune aucun point de désaccord? Voilà, je vous laisse méditer, allez-y, c'est parti. Donc voilà, il vaut mieux regarder quelques vidéos parfois plutôt que de parler, donc je vais me taire du temps que la vidéo circule. Voilà, et voilà le spectacle que je voyais du haut de mon arbre, hein. Je vous laisse apprécier. Voilà, donc tout est parti de là, hein, de cette première action. Donc vous voyez tous ces arbres-là, si je n'avais pas grimpé cet arbre aujourd'hui, il serait... Voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que là, eh bien, on a taillé tout cet arbre-là, les deux arbres-là, vous voyez, on a mis toutes les branches à l'aplomb de la clôture de cette maison. Voilà, ça a été fait cette semaine. Alors voilà, je suis ici, là, je vais bloquer le chantier. Hein. Donc, ils sont en train d'abattre tous ces platanes, là, que vous voyez. Donc, regardez bien. Ça, c'est du L350-3. Donc, on va faire venir la presse. Là, j'ai apporté des pêches. On a alerté. Et on va bloquer le chantier. Vous appréciez le genre de taille qu'on fait aussi à nos arbres en France. Hein. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le massacre qui a déjà été fait. Regardez sur le côté. Ce sont des porte-manteaux, voilà. Moi j'appelle. Tout ça, c'est des platanes en bonne santé. Donc, le côté droit battu. Hein. Concrètement, on était champion. Hein. 1031 arbres qui vont être abattus entre 2017 et 2021. De joie. Et là on peut écouter les cris de joie des... C'est dommage, déjà qui sont la même profession que moi, hein, vous voyez. Paris qui livrait un dimanche matin à 8h, on a envoyé tous les grimpeurs dans les arbres. Avec, vous pouvez voir les forces de l'ordre, les CRS, pour nous empêcher de bloquer les chantiers. Pour qu'on arrête d'abattage, en toute légalité, sans pour construire des grandes Regardez le travail de l'épareuse qui vient d'être réalisé. Je vous laisse admirer un petit peu. Les plaies qui viennent d'être faites dans les platanes, hein, de très beaux sujets, hein, regardez. Voilà. Donc alors, on peut apprécier pas hein, magnifique, hein. Les compétences de la voilà. Regardez gens un qui, petit peu les mais dégradations sur les arbres. Le coup de rouge. Donc là, c'est champignons directs hein, voilà, qui s'installent. C'est pas le seul. Tous les arbres ont été touchés. On va continuer. Tout l'alignement, c'est comme ça. C'est facilement repérable en voiture, hein, puisque c'est clair. Voilà pourquoi je suis encore une fois de plus en colère. Voilà, regardez. Voilà. Vous voyez, hop, décollement d'écorce. Ah, regardez, voilà. Ras-le-bol parfois. Voilà, regardez, tous touchés. Donc ça va partir direct au département. En fait, ça consisterait juste à laisser une bande au pied de 1 mètre. On découvre des choses en fait tous les jours, hein, c'est quand même assez hallucinant. Donc là, on vient de brûler. Voilà, là, le c'est talus. Pareil dans l'Aude. Donc, brûlage, tout au pied des arbres, voilà, c'est brûlé. Par la mairie, voilà. Puisque on parle du département, puisque quand même, je pense que quand ça brûle, on le voit. Encore que, donc on a brûlé jusqu'au pied des arbres. Ils ont besoin de qu'on les respecte, voilà, hein, tout simplement. Quoi. À peu près, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est brûlé là. Il y a la circulation de sève juste dessous. Savoir que le platane, c'est 40 000 arbres qui vont être abattus sur le canal du Midi. Ça a déjà commencé. Alors voilà, toujours dans ma région, dans le Tarn. Le chancre coloré. Je vous laisse apprécier derrière cette belle coupe rase qui a été faite, je pense, il y a à peu près un mois. Je m'en suis pas rendu compte. 30-40% voilà, de pente. J'ai travaillé sur cette route, que j'emprunte pas souvent. Plus de couvert végétal, rien. Voilà, donc là, on est dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. C'est magnifique. Donc voilà, pour quelques billets agités sous le nez de quelques propriétaires, eh bien, on se permet de faire ce genre de pratique.
Moi, je suis désolé, c'est pas possible. C'est désastreux, quoi. Voilà, vous pouvez regarder, il y a des saignées partout pour passer avec les engins. Voilà. On parle de l'Amazonie. Donc, il y en a partout, il y a des chemins. Je vous laisse imaginer la pente. Là, on est sur du 30-40%. Donc là, ça va ruisseler dans pas longtemps. Il n'y a plus de maintien, il n'y a plus de couvert végétal, il n'y a plus rien. C'est une vraie catastrophe. Voilà, et ça, on continue à l'autoriser. Je trouve ça abominable, quoi. Voilà, donc ça, une autre coupe rase à côté de chez moi. Je ne sais pas si ça ne vous interpelle pas, mais moi, ça me choque, quoi. Voilà, là, cette semaine, on a été alertés. Là, ils ont Châteauneuf à côté de Grasse. Voilà, ils ont coupé ces arbres comme ça. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune dangerosité. Il y a juste quelques petits sentiers en bas, donc des chênes. Ça, pareil, voilà. Regardez un petit peu. Alors, ceux-là, quand même, ils sont pas mal. Voilà. Voilà ce qu'on fait à nos arbres en France, quoi. On appelle ça de la taille architecturée, je pense. Je pense qu'il faudra revoir les choses un petit peu. Le Neubourg, tous ces arbres sont en danger, 800 mètres de hêtres. Alors là, on veut tout couper pour replanter, voilà. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont malades. Soissons, 145 tilleuls qui sont en danger, je dois y aller dans quelques temps. Non-respect du L350-3 aussi, voilà. Vertou, alors un petit peu de joie, hein, on va dire. Ces arbres-là, ils ont été sauvés. On disait qu'en fait, les berges ne tenaient plus. Voilà, donc regardez la machine qui passe, c'est formidable. Hein. Donc ces arbres-là, en fait, ils tiennent les berges, il faut le savoir. Donc quand on enlève des arbres, on n'a plus de maintien des berges. Et là, on nous dit que les berges sont dangereuses. Mais regardez là, voilà, une fois de plus, cette machine-là, je ne sais plus combien elle fait de tonnes. Donc là, 400 platanes, nous avons sauvé ces 400 platanes avec d'autres collectifs. Donc derrière pas les moi, seuls, on vous pouvez vous apercevoir qu'il y a voilà, tout dans le cimetière de Boulogne. De charmes qui ont déjà été Donc avenue de Jean-Janvier, Jean-Janvier à droite. Donc en fait, ces charmes-là, ils vont être gardés. On est ici parce qu'en fait la problématique de cette avenue, c'est qu'en fait ils vont là-bas. Voilà, ils ont été sauvés à droite, les chantiers étaient arrêtés. Voilà, on devait les abattre pour replanter d'autres arbres. C'est intelligent, quoi. Ça s'est sauvé aussi à gauche des peupliers, même si on sait que le peuplier a une longévité qui est très courte. Mais voilà. Je me trouve aujourd'hui sur la commune d'Aiguevive avec Monsieur le maire. Voilà, le maire qui nous appelle. Donc aujourd'hui on est là parce que vous voyez tous les arbres qu'il y a derrière. De national. Jusqu'au fond là-bas, il y en a 126. Sur 1,9 km. Je vous laisse imaginer 126 platanes. Voilà. À peu près de 100 à 120 ans qui devait être abattu par la préfecture. Voilà. Donc les services directeur de la cabinet route. Du préfet qui avait décidé ça, puis il est parti en retraite. Parce qu'on a eu une alerte de Monsieur le maire, c'est la première fois qu'un maire nous alerte, on est ravis. On est ravis de voir qu'on n'est pas toujours en confrontation avec les élus, c'est ce qu'on répète depuis le début. On est là pour travailler en bonne intelligence avec eux. Et Monsieur le maire, voilà, il nous a appelé justement pour préserver ces arbres. Donc là, voilà, des événements joyeux. On a lancé une campagne. D'ailleurs, Francis est signataire aussi, on le remercie. Un arbre, une école, avec la ville de Bordeaux, pour replanter dans les écoles. Ça, ce sont les antennes GNSS en France, voilà, à moins d'un an. Hein. Donc on en a même une à La Réunion. On est à plus de 70 antennes en moins de 2 ans. Voilà, ça, c'est l'action qui a mis à lumière le L350-3. Là, je suis accroché devant le ministère de la Transition écologique. Pendant 28 jours, j'ai dormi sous les fenêtres de Madame la ministre. J'ai été reçu. Il faut quand même savoir que ça s'est fait au forceps, hein, parce que c'était pas non plus, voilà. Donc voilà, je suis pas très enjoué, mais bon, c'est comme ça. Et donc là, voilà, donc si vous voulez adhérer au GNSA, on a toujours besoin forcément, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre, autant les personnes qui abattent les arbres sont très fortes et ont beaucoup d'argent, ils sont très puissants, autant nous aussi on en a besoin pour lutter contre eux. Voilà, donc cet arbre-là, je l'ai donné, le premier arbre que j'ai grimpé à Mazamet, que vous avez vu, dans lequel j'étais, je l'ai donné à ce jeune garçon qui s'appelle Alexandre Carayol. Je lui ai dit, cet arbre, tu le garderas, tu en seras le gardien. Comme ça, quand je ne serai plus là, tu le protégeras. Voilà, c'est assez rapide, j'ai speedé un peu pour pouvoir vous parler. Mais... voilà. Ça, c'est pas moi, hein. Voilà, vous avez reconnu. Formidable. Donc il me reste 10 minutes. On a des questions. Ouais, d'accord. Déjà ? Une question donc qui est posée par toutes les personnes qui nous regardent. Vous êtes actuellement 139. Donc la formation des forestiers doit être différente. Qui peut apporter ce changement d'éducation ?
Alors, en tout ce qui est foresterie, moi, je vais parler que de choses que je connais. Je ne connais pas les formations en foresterie. Par contre, je peux parler des formations, des CS, des certificats de spécialisation pour les grimpeurs arboristes. En fait, c'est un certificat qui se passe en 6 mois. Et donc, moi étant aussi grimpeur arboriste, aujourd'hui, en fait, la parole que le GNS apporte, c'est pour sensibiliser la jeunesse qui a des tronçonneuses dans les mains à plus faire ce genre de désastre-là, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est clair que il faut qu'on sensibilise tous ces jeunes qui ont des tronçonneuses dans les mains, parce que c'est à eux qu'on demande d'abattre ces arbres. Donc c'est vraiment il faut garder en mémoire que ces arbres-là, s'ils ont été plantés par les sites, avec l'argent du contribuable, ils sont entretenus avec l'argent du contribuable, ils sont abattus avec l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de dire nous, c'est qu'on doit concerter les citoyens. On doit avoir une concertation forte avec les citoyens, et qu'un élu aujourd'hui qui est en place pour un mandat de 6 ans, hein, c'est ça, 6 ou 5 ans, je ne sais plus, un maire dans une ville, il n'est pas propriétaire des arbres. Il en a la garde durant le temps de son mandat, mais il n'en est pas propriétaire. Et c'est contre ça qu'on se bat, et c'est ça qu'on veut inculquer. Et je pense qu'aussi, parfois, il y a un problème d'éducation aussi de nos élus. C'est-à-dire que moi, j'arrive aussi à me mettre à la place d'un élu qui a grandi dans une ville avec du bitume et du béton, qui n'a jamais été sensibilisé à l'arbre, qui n'a jamais vécu proche des forêts. On peut arriver à comprendre qu'il ne soit pas sensibilisé et que les arbres tombent. Mais du coup, nous, notre travail à nous en tant qu'association, c'est de venir et de leur dire... garder ces arbres parce que carbone, oxygène et tout ce qui en découle. On va pas tout raconter, on sait tous très bien aujourd'hui les bienfaits des arbres. Mais voilà, aujourd'hui, notre discours, il est porté là-dessus. Et donc, cet article de loi, le L350-3, c'est quelque chose que j'ai ressorti des tiroirs, pardon, et qui avait été plus ou moins oublié. C'est un article qui n'a pas de décret à l'heure actuelle, mais une loi, quand elle existe, elle est valable, même si elle n'a pas de décret. Et bien souvent, on passe outre cette loi et on voit des arbres tomber de partout. Donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la masse foliaire. Moi, plus il y a de feuilles, plus vous avez des feuilles, plus je suis heureux. Parce que chaque feuille nous donne de l'oxygène et nous absorbe le carbone. Et ça, quand je vois des désastres comme les arbres que vous avez vus qui sont taillés, j'appelle ça du porte-manteau, avec des tailles drastiques, qui en plus de cela sont totalement néfastes à l'arbre, qui accélère la sénescence. Alors c'est paradoxal parce qu'en même temps, on nous dit oui, mais on va les abattre parce qu'on les a taillés en taille drastique pendant des années, ils sont troués, il y a des cavités de partout, ils sont dangereux. C'est faux. C'est pas parce qu'un arbre est creux de l'intérieur déjà qu'il va tomber. Et paradoxalement, on a fait ces tailles nous, avec la main de l'homme, et on offre par la suite, quand il y a des cavités, des refuges pour la biodiversité. Donc en fait, on doit garder les arbres tant qu'ils donnent des feuilles, tant qu'ils ne sont pas dangereux. On n'est pas là pour interdire les abattages. Moi, le premier, mon métier, c'est de sécuriser les lieux sur les domaines publics. On ne va pas laisser des arbres qui sont dangereux tomber sur des enfants. Voilà. Mais on doit en tout cas conserver les vieux arbres. Et voilà. Et donc ces tailles drastiques-là, il faut savoir qu'un arbre est beaucoup plus dangereux quelque part quand il a été conduit avec des tailles drastiques, puisqu'on part sur des rejets, ce qu'on appelle, ce sont des bois qui ne sont pas ancrés à cœur, qui vont ressortir parce que l'arbre a un système racinaire tellement puissant qu'il est capable de donner énormément de bourgeons. Et donc, on a besoin d'avoir des arbres résilients. Aujourd'hui, on doit planter le bon arbre au bon endroit et ne pas le toucher. Ça coûte zéro à la collectivité quand même, il faut le savoir. C'est des milliers et des millions d'euros, ce sont des millions d'euros pour, par exemple, la ville de Paris, chaque année, pour faire venir des nacelles avec des gens qui mettaient les arbres au carré. Et le problème en France, c'est qu'on a cette culture du jardin à la française. Alors, c'est clair, ça plaît à des gens, mais moi, j'appelle ça de l'art. Ça, c'est de l'art, on appelle ça de l'art taupière. Mais qu'on conserve Versailles, qu'on conserve Chambord, tout ce qu'on veut, d'accord, c'est très bien, on va voir ce que c'est, des arbres au carré. Mais un arbre, c'est pas carré, un arbre, c'est rond. Le jour où vous voyez un arbre carré, alors peut-être Francis qui est là en a déjà vu dans les forêts équatoriales, moi je n'en ai jamais vu, mais le jour où on voit un arbre carré, appelez-moi, déjà on se fera un petit peu d'argent, c'est clair, parce qu'on va relayer ça et on va dire « ouh là là, ça existe », mais la nature elle n'est pas comme ça, quoi. Voilà. Alors on me fait les moulins, ça veut dire « Thomas, tu peux continuer ». Alors. Comment tu expliques, Thomas, que autant de groupes GNSA se créent là depuis quelque temps ? Alors, comment le groupe GNSA se crée depuis autant de temps ? Non, depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps, pardon.
Eh bien, en fait, c'est parce que je pense qu'il y avait un vide au niveau associatif. Il y avait un manque. Il manquait très certainement cette association qui mettait ça en évidence. La force du GNSA aujourd'hui, elle est simple. Nous avons tous ces fameux outils qu'on peut trouver néfastes parfois. Mais bien souvent, là, pour le coup, ils nous sont utiles à nous. C'est la force des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut filmer. Chaque personne dans son village, dans sa ville, devient autonome. Et par le simple fait de faire de la vidéo et d'afficher et d'expliquer ce qui est en train de se passer chez eux et de partir sur les réseaux sociaux, eh bien c'est sûr que, je suis désolé de le dire, mais un élu, il préférera être adulé que d'être méprisé. Sinon, son prochain mandat, il n'en verra pas la couleur. Donc voilà, donc nous, la force du GNSA, c'est ça, c'est qu'on met en place des groupes locaux qui sont autonomes, qui travaillent avec nous, en relation avec nous. On a quand même un œil sur ce qui se passe. On n'est pas là pour dire du mal des élus, je tiens et je le dis ouvertement. On est là pour éduquer, mais par contre, s'il y a des dérives qui sont faites, on est là pour les signaler. On n'est pas dans la dénonciation, mais plus dans le signal et dans la surveillance. Et donc, voilà, c'est pour ça que 70 antennes, c'est clair, en moins de 2 ans, c'est énorme, moi je ne pensais pas. Comme je disais, j'ai un petit peu jeté le bouquet de la mariée et puis je me suis dit que quelqu'un va bien rattraper des choses. Et quand je me suis retourné, en fait, je me suis aperçu que, ben oui, il y avait besoin, quoi. Parce qu'on parle beaucoup des forêts, mais on ne parle pas trop des arbres urbains. Et on sait aujourd'hui que si on va avoir des villes résilientes au changement climatique, avoir des villes qui sont tempérées, eh bien, on a intérêt à planter énormément d'arbres. Mais plantons-les intelligemment. Et avant de nous dire aussi et de nous vendre que oui, mais monsieur Braille, c'est pas grave, on abat ce gros arbre-là qui a un volume foliaire énorme, on va vous en replanter 3. Moi, ce qui m'importe, c'est savoir que la même masse foliaire, c'est-à-dire que si vous avez un gros arbre, quand vous regardez, il faut très certainement 150 jeunes arbres replantés dans les rues pour avoir la même masse foliaire, on nous en plante 3. Donc le compte n'y est pas, quoi. Ce qu'on a besoin, voilà. Donc les gros arbres, vraiment, il faut les conserver. Et avant de penser à planter, de nous donner des chiffres aux dernières municipales qui avoisinaient les 200 000 arbres, on va planter pendant la campagne, pendant notre mandat, si on est élu, ouais, super. Mais avant de les planter, commencez par arrêter de les abattre. Voilà. La protection des arbres, notamment avec le L353. Alors, je ne sais plus si c'est celui qui protège les arbres en alignement en bord de route. C'est ça. Moi, j'avais été confronté à un problème d'abattage de chênes, d'alignement de chênes sur ma commune, en périphérie toulousaine. Et m'a opposé le fait, justement, qu'il n'y avait pas de décret d'application. Et à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait toujours eu de décret passé. Alors, je voulais, juste pour compléter aussi, je pense qu'il y a des aspects réglementaires qui sont très intéressants en ville, notamment au niveau de ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, avec ce qu'on appelle les EBC, c'est-à-dire les bois classés. Ce n'est rien, n'ayez pas peur, il n'y a pas eu de mort. En faisant du classement d'arbres, même d'arbres individuels, pour les protéger. Alors, je vais répondre, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, on dit, c'est ça. Alors, tout ce qui va concerner, le L350-3, comme je disais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de décret d'application qu'une loi n'est pas valable, d'accord ? Voilà, c'est parce que sinon, c'est facile de vous jeter ça à la figure et puis débrouillez-vous. Ensuite, tout ce qui est EBC, aujourd'hui quand même, nous on a fait énormément de vidéos, il faut quand même savoir qu'on déclasse des espaces boisés classés, pour construire, pour des promoteurs immobiliers, hein, d'accord ? On déclasse des zones naturelles, pour pouvoir aussi parfois avoir donné ça à des promoteurs pour construire des bâtiments. On déclasse des zones Natura 2000. Donc en fait, pour moi aujourd'hui, les classements, ils ont valeur de rien du tout. C'est triste à dire, hein, mais c'est ça. Orly, par exemple, on est allé faire une vidéo à Orly. Ils ont bâti une résidence sur un espace boisé classé qui a été déclassé. Donc, vous savez, aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'il n'y a aucune loi forte, aucune protection valable, quelque part, et que c'est de la lutte quotidienne pour mettre ces dérives en avant. Parce que si vous n'allez pas fouiller un petit peu, vous n'allez pas regarder ce qui se passe, eh bien, vous apercevez qu'il y a beaucoup de dérives, quoi. Et c'est regrettable, quoi. Après, pour en revenir au décret d'application... la semaine dernière, il faut quand même savoir, il y a une question ouverte qui a été posée à l'Assemblée nationale par une députée. Et Madame la ministre a répondu, oui, le L353, il n'y a pas de décret d'application. On est en train
c'est en train de bouger un petit peu en ce moment. Je vous dis de bouger un petit peu parce que moi, tant que je ne vois pas la finalité, tant que je ne vois pas que les choses sont signées, sont actées, je ne dis pas que c'est gagné. C'est jamais gagné, en fait. Parce que la promotion, la pression des promoteurs, parce que l'argent est plus fort que tout. Et voilà, et c'est ce qui nous met dans le mur au niveau aujourd'hui environnemental, quoi. Voilà. D'abord, bravo pour les méthodologies, l'engagement. On voit bien que c'est quand on s'accroche dans les branches que les choses se passent aussi. Hein, ça donne du courage, de l'espoir, et ça montre à tout un chacun et à toute personne que ben, ce niveau d'engagement est possible, et pour une première chose. Ensuite, on voit aujourd'hui émerger des projets qui ont l'air sur le papier extrêmement ambitieux un peu partout dans le monde autour de la foresterie. On voit l'Érythrée qui a mobilisé l'ensemble de sa population il y a quelques temps pour planter 350 millions d'arbres dans la journée où tous les ministres ont participé sur une journée banalisée et ça, tout le monde dans le pays ont planté des arbres. Il y a d'autres pays qui ont lancé ce genre de dynamique. Et on voit en parallèle de ça, notamment c'est l'Irlande du Nord qui a déclenché l'état d'urgence bioclimatique avec notamment un plan autour de la foresterie et qui se veut sur le papier quelque chose qui est écologique, hein, mais après dans la réalité, on se rend compte qu'on est sur des monocultures d'exploitation avec un quota de feuillus dedans, hein, et on se rend compte que les feuillus sont plantés tout autour en fait, et qu'au milieu on a cette monoculture d'épineux qui vont acidifier les sols, amener tout un tas de problématiques. Donc on voit que les mesures, même celles qui sont mises en avant comme étant écologique par les États, par exemple sur l'Érythrée, donc ils ont fait un effet d'annonce sur le fait de planter les arbres, mais est-ce qu'ils vont les entretenir, les accompagner pour que ces arbres arrivent à maturité? C'est une autre question. Donc est-ce que vous avez confiance en ces effets d'annonce? Parce que là, il y a quand même une volonté d'en revenir, de ramener les pouvoirs publics à leurs responsabilités dans votre démarche. Et on voit que quand les pouvoirs publics le font effectivement, ils proposent des projets, mais en fait, c'est souvent un effet de façade. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez quand même confiance dans leur capacité à pouvoir dépasser ces blocages de façade où l'économie prend toujours le pas, en fait, sur l'écologie systématiquement? Moi, je pars du principe que les effets d'annonce, il y en a beaucoup. Mais ce que j'aimerais parfois, je l'ai dit une fois dans un... Enfin bon, bref. J'ai juste dit que j'aimerais parfois voir nos élus avec un petit peu plus de terre sur leurs chaussures et parfois un petit peu de terre sous les ongles, quoi. C'est clair, planter des arbres... aujourd'hui, le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les étés sont de plus en plus caniculaires. Et un arbre, à l'époque, moi j'ai une formation aussi de jardinier, hein, j'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie. Comment dire, quand vous plantiez un arbre il y a une quinzaine d'années, vous le suiviez pendant 2 ans à l'arrosage. Maintenant, je suis persuadé que c'est 5-6 ans, des jeunes arbres. Donc, moins on aura d'arbres, plus il va faire chaud. Plus on va planter d'arbres, moins ils vont reprendre. Donc, c'est pas gai, tout ce que je raconte là, mais c'est une réalité. Je crois que c'est la Turquie qui a planté 1 million d'arbres, qui a fait une vaste campagne de plantation avec les citoyens. Sur les 1 million, 10% ont survie. Je ne sais pas trop dans quoi on s'embarque, c'est clair. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se réjouit en permanence. Je ne suis jamais gai, en fait, je m'aperçois. C'est pas marrant, du coup, mais... Mais je préfère être dans cette dynamique de ne pas être gai pour essayer de faire avancer les choses plutôt que de me dire oui, bon, on a fait ça, c'est bien. Mais c'est jamais assez, en fait, ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est quotidiennement qu'il faut faire. Déjà, c'est en se levant le matin, chacun en tant que propre individu, se dire est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de plus aujourd'hui pour que la planète aille mieux? Et après, je pense aussi qu'il faut arrêter de s'en prendre aux politiques. Si les politiques n'ont pas compris aujourd'hui qu'en regardant leurs enfants dans les yeux, on va droit dans le mur, moi, je ne peux rien pour eux. Par contre, moi, je me bats. Si eux ne sont pas capables de se battre au quotidien, ben, moi, je suis obligé de le faire pour mon fils, voilà, parce que le travail n'est pas fait, quoi. Voilà.
Oui, Thomas, j'avais une question. Est-ce que les citoyens ne peuvent pas demander l'intégration dans le PLU de leur village, de leur ville, actuellement, vu qu'ils sont énormément à être revus actuellement? Est-ce qu'on ne peut pas demander l'intégration du comptage des arbres avec un point GPS pour chaque arbre? Oui, oui, bah après, si, si, ça, ce serait bien de le faire. Maintenant, il faut une volonté forte de le faire. Il faut partir du principe qu'à partir du moment... On a fait, pour en revenir à ça, au PLU, alors Anna Kourou, que je salue pour le travail qu'elle fait aussi, et Pascal Branchu, avec qui je travaille notamment pour faire évoluer la loi, elle a mis en avant un PLU. En fait, elle a reporté sur plusieurs années les PLU et ce qui avait été classé. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient classé en PLU, en zone naturelle, un cimetière. Voilà, pour gagner de la place et pour pouvoir construire des bâtiments, quoi. Donc moi, je veux bien qu'un cimetière, ce soit un espace naturel, mais je conçois la nature différemment que d'aller me promener entre des tombes, quoi, vous voyez. Donc voilà, ça fait partie. Maintenant, oui, il faut une politique forte, il faut dire, il faudrait des points GPS, il faudrait aussi arrêter de considérer l'arbre comme du mobilier urbain. Il faudrait partir du principe qu'un arbre, c'est vivant et que... on doit arrêter de leur faire voilà des voilà, il y a d'autres questions, c'est ça? Oui. Voilà, non, c'est ça, c'est surtout avoir des gestionnaires qui ont pris conscience qu'un arbre c'est vivant et que autant si vous coupez la patte à un chien, vous allez lui en couper une, si c'est un gros chien, vous voyez, un Rottweiler, vous allez couper une fois la patte. Je pense que vous approchez une deuxième fois, ça va vite vous détendre. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette même approche de se dire qu'un arbre, c'est vivant et qu'on se doit de le respecter, qu'on se doit de le chérir et pour l'amener à terme le plus loin possible. Et que nous, on est juste éphémère et qu'on est juste comme une étoile filante, alors que l'arbre, lui, à notre échelle, voilà, je pense qu'il paye le prix de notre jalousie à le voir traverser le temps, alors que l'homme, lui, voudrait être immortel, quoi, voilà. Thomas, je pense que tu ne crois pas aussi bien dire, mais il y a une remarque et une question d'une internaute qui nous dit qu'au Mexique, des femmes se marient à des arbres pour éviter leur coupe. Le droit français reconnaît-il une quelconque individualité aux arbres, hormis arbres extraordinaires, comme peut le faire l'association Arbres? Est-ce que tu connais ça, ce mariage femmes mexicaines? Oui, j'ai entendu ça et je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose aussi, je le dis tout le temps, la lutte pour la planète, pour la préservation de la planète, ce n'est pas une lutte masculine, c'est une lutte féminine. Parce que les femmes enfantent, elles savent ce que c'est que donner la vie. Et nous, on arrive juste avec nos gros sabots pour tout détruire. Je n'ai jamais vu une femme encore conductrice de pelle mécanique. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'arbre soit considéré comme une entité vivante. Et à partir de là, il pourrait y avoir une protection plus forte. On travaille, notamment Valérie Cabane, qui travaille sur cette problématique de l'écocide. L'écocide a été adopté, d'ailleurs, je crois, au niveau de l'Europe. Mais maintenant, il faut que les États adoptent ce mot écocide et qu'il puisse être ancré dans la Constitution et qu'on puisse vraiment faire attention aux arbres plus que ce qu'on le fait aujourd'hui. Quoi, voilà. Encore une dernière question. Alors, dans les Vosges, un collectif rachète des hectares de forêt pour s'opposer à leur coupe. Est-ce que les associations de défense des arbres devraient en arriver là ? Oui, mais c'est déjà le cas. Il y a beaucoup d'associations qui rachètent des forêts, en fait, pour les préserver. Je pense notamment à l'ASPAS, qui n'est pas basé sur l'arbre, mais qui, au final, fait du bien aux arbres, puisque l'Association pour la protection des animaux sauvages, ils ont racheté récemment 500 hectares dans le Vercors pour laisser libre cours à l'évolution de la nature. C'est clair qu'il faut en arriver là. Je vous avouerai que c'est aussi le but du GNS à terme. Il y a d'autres associations qui le font, hein, j'ai plus les noms en tête. Mais nous, dans 2 ans, on va très certainement passer d'utilité publique, à moins qu'on dérange trop. Mais bon, on verra. Mais quoi qu'il en soit, voilà, nous, à terme, c'est pouvoir récupérer... je connais plein de personnes qui n'ont pas d'héritier et qui, à terme, vont se retrouver avec peut-être des forêts et qui
demandent à qui elles pourraient les donner pour les transmettre aux générations futures et pour qu'elles puissent... Mais ça, c'est clair que si on pouvait arriver à faire ça, si on pouvait arriver à... Alors, Francis Allais, j'en ai parlé avec lui, il n'aime pas ça, le mot sanctuarisé, mais quelque part, c'est un petit peu ça. C'est se dire, ben, ces espaces-là, voilà, c'est stop, on arrête les bêtises, on regarde, on fait rentrer les écoles, on explique ce qui se passe, comme disait Francis, avec des parcours, des cheminements pour éviter de piétiner. C'est pas le tout d'en faire un Disneyland, hein. Mais il faut vraiment avoir ces espaces-là, il faut les donner aux enfants. Quoi. Voilà. Il faut ramener les enfants aussi faire de l'école en forêt, c'est important. Hein. Arrêtons de laisser enfermer les enfants dans des classes aseptisées avec pour seul oxygène les climatisations réversibles, avec juste pour simple vue, toujours la même vue sur très certainement un bâtiment et non pas une forêt. Donc il faut ramener les écoles dans la forêt, les enfants en forêt. Il faut qu'ils respirent l'odeur des terpènes pour rehausser leur système immunitaire, pour refaire travailler leurs neurones, pour que tout ça s'embraye fortement. Il faut arrêter de croire que d'être assis 8 heures sur une chaise, ben, ça va faire changer les choses. Moi, je ne pense pas. Il faut sortir les enfants, il faut leur faire servir de leurs mains, il faut les faire marcher, il faut les faire réfléchir, il faut qu'ils écoutent le son des oiseaux, il faut qu'ils écoutent le son des rivières. Et voilà, moi, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver, quoi. Merci Thomas. Je pense qu'on va arrêter là. Dernière intervention. Ah oui, je n'ai pas donné juste pour... est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question ? Attends Thomas, il y avait encore une toute petite question. Ouais. Sur ce thème de la sanctuarisation justement, parce que est-ce que ce n'est pas un des écueils justement de l'approche environnementaliste qui est mise en avant par les mouvements écologistes depuis des années, qui disent que si on protège telle petite zone mais sans sonder le système global, elle va être sauvegardée. C'est-à-dire que comme le nuage de Tchernobyl, bah, ça va s'arrêter à la frontière et ça ne sera pas impacté. Voilà, il y a des, très critiques extrêmement profondes aujourd'hui dans les mouvements d'écologie radicale ou qui s'inspirent, qui se revendiquent de ces trucs-là sur cette approche environnementaliste qui d'ailleurs est balayée par énormément de personnes qui disent de fait en fait des zones, c'est pas parce qu'on dit cette zone-là elle est protégée et on change pas le système de manière globale, elle sera impactée quoi qu'il arrive. Donc pour moi il y a une limite très très profonde à cette approche de sanctuarisation qui donne l'illusion que parce qu'on va mettre l'accent sur tel endroit et on va sauvegarder ça, on peut se permettre à côté de faire tout ce qu'on veut. Et voilà, pour moi il y a un vrai contresens là-dessus qui est extrêmement dangereux et qui a desservi depuis très longtemps en fait les mouvements écologistes. Thomas, Justine, tu vas nous parler d'une lutte citoyenne. C'est ça, je vais vous donner un petit exemple concret de ce qu'on peut faire en tant que citoyen. Donc, moi j'habite dans une petite commune à 15 à peu près de Sud. J'ai la chance d'avoir... Non, il y a un problème. Il y a un problème de micro. Là, ça va ? Voilà, donc j'habite dans une commune qui est à 15 minutes de Toulouse, sur la vallée de la Lèze, qui s'appelle Labarthe-sur-Lèze. Et j'ai la chance d'avoir un grand jardin. Et à côté de ce jardin, il y a un terrain de 1 hectare 2, magnifique, avec des arbres qui ont plus de 50 ans. Il y aura une petite vidéo peut-être où on pourra voir ce paysage. C'est un grand terrain qui a servi pendant peut-être 30 ans à mon voisin Gaëtan, aujourd'hui malheureusement décédé, de jardin. Il aimait tellement les arbres qui venaient de Toulouse où il habite dans ce grand jardin qui n'a même pas de maison pour s'occuper des arbres. Et malheureusement Gaëtan est mort et du coup le terrain est à vendre et c'est Nexity qui a posé une option sur ce terrain, promoteur je crois numéro 1 en France. Et ils sont venus nous voir parce qu'on est les voisins et ils avaient besoin d'un peu de place pour faire une route d'accès au lotissement. Donc ils voulaient nous acheter du terrain. Et là on voit le plan. Et on voit un plan où à peu près 70% des arbres doivent être détruits pour construire des maisons. Donc notre sang n'a fait qu'un tour. Et on s'est dit, mais comment on peut faire ? Alors évidemment, les arbres qu'ils allaient sauvegarder, c'est ceux qui étaient le long de la route, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de les abattre. C'est le fameux article du Code de l'environnement dont parlait Thomas tout à l'heure. Donc ceux-là, ils les préservaient, mais tous ceux qui étaient au milieu des terrains qu'ils voulaient viabiliser pour vendre ensuite à des particuliers qui pourraient construire leur maison... devait donc tomber. Donc on s'est un peu renseigné, on a été voir nos voisins, on les a alertés, et puis on s'est dit qu'il fallait parler de ça à nos élus.
Donc la première recommandation que je fais quand il y a un problème comme ça dont vous entendez parler peut-être, c'est tout simplement aussi d'alerter les voisins et puis ensuite d'aller parler du problème aux élus qui sont aussi quand même sensibilisés aux problèmes de sauvegarde de la biodiversité, nécessité pour nous d'avoir des arbres qui nous aident à respirer, coupent le bruit, retiennent les sols, font un tas de bienfaits dont on a parlé pendant cette conférence. Et donc, de réunion en réunion, parce que quand même, on a été au moins voir trois fois la mairie, on a un peu agité, on avait même commencé à faire une pétition, on avait fait beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément utilisées, mais on les avait fait en réserve pour, au cas où la lutte devait s'intensifier. On a quand même réussi à faire que le promoteur qui avait prévu au départ 14 terrains, 17 maisons, revoie sa copie, sous la pression des citoyens et sous la pression de la mairie, revoie sa copie et propose seulement 10 maisons, on m'entend ? Propose seulement 10 lots, en fait, au lieu de donc 17 maisons. 10 maisons au lieu de 17, c'est quand même bien, surtout quand on se dit que sur le nouveau plan, les grands arbres qui étaient sur ce terrain allaient être préservés. Donc à ce jour, on devait aller avec le promoteur marquer sur le terrain les arbres qu'il fallait vraiment protéger, parce que comme nous, on est les voisins, on voit qu'il y a des piquets-pêches ici, des chauves-souris là, des pivers, des moineaux en tout genre. Donc on sait un peu où se cache la biodiversité réellement, parce que les promoteurs, sur leur brochure très jolie, qui s'appelle « Notre engagement environnemental », ils s'engagent, c'est écrit noir sur blanc. Je vous le lis. « Nos objectifs, préserver et améliorer l'existant, préparer une gestion écologique et économique des espaces verts, valoriser les espaces naturels. » C'est la brochure de Nexity. Moi, je suis d'accord. Mais maintenant, il faut qu'ils le fassent. Il ne suffit pas de le dire. Il faut le faire. Et concrètement, soit on discute et on arrive à faire progresser le débat, on peut construire, nous on n'est pas du tout contre la construction, bien sûr il faut loger les gens, il y a du mal logement en France, il faut lutter contre ça, mais on peut aussi considérer qu'un arbre qui est là depuis 50 ans, il est tellement important que la maison, si on doit la faire, elle va à côté, elle ne va pas au même endroit. Il y a de la place pour les arbres à côté des maisons. Les arbres, ce n'est pas dangereux, les arbres, ce n'est pas salissant. Les feuilles, on en a besoin pour enrichir nos sols, on en a besoin pour respirer, ça on l'a dit vraiment plusieurs fois dans cette réunion. Et donc, je pense que nous, citoyens, on doit savoir tous les services que nous rendent les arbres. Et une fois qu'on a compris ça, on va les respecter, on va construire à côté d'eux et pas trop près, parce que aussi assez souvent, même les agriculteurs parfois labourent trop près des racines et les promoteurs construisent trop près des racines. Ensuite, les arbres évidemment ne peuvent plus vivre. Donc il y a vraiment à prendre en compte la taille de l'arbre et construire loin de lui. Parce que sans arrêt, on entend parler de gens qui construisent leur maison sous les arbres. Parce qu'évidemment, c'est agréable, ça rapporte de la fraîcheur, c'est joli. Et puis tout d'un coup, ils disent « Ah, mais non, il faut ramasser les feuilles et en plus, j'ai peur que l'arbre me tombe dessus. » Mais l'arbre ne tombe pas dessus, surtout s'il n'a pas été taillé. Ça aussi, on l'a dit plusieurs fois. Les arbres sont solides, ils sont bien plus résistants que nous et si on ne les touche pas, ils ne sont pas dangereux. Donc le fait de dire qu'un arbre est malade pour pouvoir l'abattre, c'est exactement pareil que dire qu'un chien a la rage pour le tuer. C'est souvent mensonger et donc moi, je porte juste le discours, c'est vrai que je milite avec Greenpeace dans la petite cellule Arbres et Forêts de Toulouse, mais même hors du cadre Greenpeace, dans le cadre juste d'être citoyen, je crois que c'est à chacun d'entre nous de se dire les arbres qui sont dans mon périmètre, pas trop loin. Évidemment, on peut aller se battre pour tous les arbres. Moi aussi, j'aimerais bien qu'en Amazonie, il y ait moins de déforestation, mais battez-vous les uns les autres pour les arbres qui sont près de chez vous, dans vos villes, dans les jardins de vos voisins, ça vous concerne, ça nous concerne, ça concerne nos enfants. On a besoin d'arbres pour vivre. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Mais c'était juste un petit témoignage pour dire que voilà, en tant que citoyen, on peut faire des choses. Il faut alerter ses voisins, il faut aller voir les élus, il faut éventuellement rencontrer le promoteur. Je vous montre le terrain dont il s'agit. Comme ça, vous verrez qu'on se bat pour de belles choses. Bonjour, je représente les riverains du chemin du marchand à La Barthe-sur-Lèze, une ville juste au sud de Toulouse. Nous nous mobilisons pour défendre ce terrain magnifique de 1,2 hectare sur lequel poussent plus de 80 arbres, dont la plupart ont plus de 50 ans. Le promoteur Nexity a des vues sur ce terrain pour y mettre 14 maisons, peut-être même 17.
dont chacune sera équipée d'un système d'assainissement, ce qui, comme on le sait, n'est pas extraordinaire pour l'environnement. Et nous nous mobilisons tous pour défendre ce terrain sur lequel les arbres ont permis de développer une très très grande biodiversité. On trouve ici, en plus des chauves-souris qui volent le soir, des piquets-pêches, des pivers, des moineaux en tout genre. Tout le monde sait aujourd'hui que la nature a besoin d'être défendue. Nous avons besoin d'arbres grands et non pas de petits arbres tout jeunes plantés en permanence pour abriter les animaux, les insectes, les oiseaux. Si vous pensez que cela vaut la peine, venez nous rejoindre, collectif des habitants du chemin du marchand à La Barthe-sur-Lèze. Merci, merci Justine, merci à tous les conférenciers. Je vous rappelle qu'on se retrouve le 11 avril. Le 11 avril sur une thématique « Comment concilier forêt et économie ?» En fait, se pose la question de Dominique, mais aussi de Francis et de bon nombre d'acteurs militants aussi. C'est quel modèle pour la gestion de la forêt française ? Voilà, et on n'est pas encore trop clair là-dessus, sur cette question-là. Donc l'idée, c'est bien d'avoir quelques intervenants le 11 avril aussi pour débattre et pour se faire un petit peu une petite idée du modèle idéal, s'il en existe un. Merci beaucoup et à très bientôt. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'avec une agriculture décarbonée, enfin un modèle de société décarbonée, on est capable en urbain de nourrir sur les mégalopoles pas plus de 30% de la population qui est présente actuellement dans des mégalopoles comme Toulouse, ce qui implique à un moment donné la question d'une forme d'exode urbain ou de choses comme ça. Là, on questionne le fait de ne pas construire trop près des arbres, mais du coup, on ne va pas questionner le mode de construction, l'artificialisation des sols qui vont aller avec aussi, alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de groupes qui vont aller là-dessus, qui vont réfléchir à du pilotis, réfléchir à du carter, réfléchir à des choses biosourcées, et où là, la question de la proximité de l'arbre n'est pas du tout la même, parce qu'on a peu d'impact au sol, on est dans quelque chose qui s'intègre. Est-ce qu'il y a un travail aussi de votre côté sur ces questions d'une autre urbanité, d'une autre urbanisation, et du rapport aussi à la résilience alimentaire? Parce que quand on parle d'urbanité, en fait, l'enjeu demain dans un modèle décarboné, c'est véritablement de ça qu'il s'agit. Hein. Même si tous les toits sont végétalisés, si on plante des légumes partout en ville, encore une fois, on peut nourrir 30% de la population actuelle sur les mégalopoles. Et donc l'enjeu, comment on va réinventer cette urbanité nouvelle de demain, où des personnes nous parlent de monter dans les étages pour moins d'étalement urbain, mais des zones vertes autour qui vont permettre de nous nourrir directement. Donc voilà, il y a toute une articulation. Est-ce que de votre côté, dans votre association, vous initiez un travail autour de ces questions-là ? Alors déjà, nous, on n'est pas une association. En fait, on est juste un petit collectif de citoyens. Mais par ailleurs, dans la ville de La Barthe, on a actuellement un projet de jardin partagé qui est en train de se monter, dans lequel il y aurait à la fois des jardins partagés pour les habitants et ceux des communes voisines, aussi l'implantation d'un agriculteur bio, aussi un café associatif, des espaces de jeux pour les enfants. Donc il y a un gros projet. La mairie elle-même, de son côté, va planter une micro-forêt. Donc il y a quand même un mouvement citoyen qui est un peu plus global que juste là. Effectivement, j'ai raconté le cas précis du terrain de mon voisin, qui n'est pas du tout intéressant en soi. Mais il y a un mouvement. Et nous, on considère au sein de Greenpeace que plus on va expliquer aux gens, finalement, le besoin qu'ils ont des arbres, à quoi ça sert au quotidien, quoi. Vraiment, c'est... Parce que les gens, souvent, ils disent « Oh, les arbres, c'est nuisant, il faut ramasser les feuilles, tout ça. » Mais si on les enlève, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vent, beaucoup plus de bruit, que le sol, comme le montrait Thomas sur les images terrifiantes, le sol s'en va. Il n'y a plus rien. Et puis, comme il n'y a plus de feuilles, ben, il n'y a plus d'humus. Donc, le sol est pauvre. Et quand ils font des potagers, oh, ben, ça ne pousse pas très bien. Et puis, l'eau aussi, elle est purifiée par les arbres. Donc, tout ça que fait l'arbre de manière silencieuse, discrète, etc., ben, tout d'un coup, ça disparaît. Donc, moi, je suis absolument consciente que le problème écologique, il est global et qu'il faut à la fois être sur tous les fronts. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est qu'on fait notre petite part de colibri chacun. C'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, j'habite dans une ville où 30% des habitants sont là depuis moins de 5 ans.
il y a eu un lotissement qui s'est construit peut-être tous les trimestres depuis que j'habite là. J'habite là depuis 16 ans et j'ai vu pousser des lotissements, mais partout. Donc en effet, recul des terres agricoles. Et le problème, c'est que le PLU, il est voté. Voilà, ce très beau terrain là qui est sur la vidéo, en fait, il est constructible. Donc nous, on a essayé de se battre au moment du vote du PLU, mais on n'est pas toujours majoritaire. C'est la démocratie, moi je la respecte. Mais au résultat, il faut en tout cas, quitte à ne pas réussir à empêcher les lotissements, au moins on peut faire qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Et puis, je pense que c'est, voilà, ça c'est un exemple concret, mais moi c'est vrai qu'avec avec Greenpeace, on travaille sur beaucoup d'autres sujets autour de la préservation du vivant, des arbres, de la biodiversité. Et par exemple, on a plein de projets en cours, mais on n'est pas assez nombreux. Juste à prendre conscience que les arbres, ils nous sont essentiels et qu'on préserve nos vieilles églises, on préserve nos vieux châteaux et on ne préserve pas nos vieux platanes. C'est hallucinant. Je veux dire, ils ont 200 ans, ils ont 300 ans. Là, j'étais encore en train de marcher hier le long du canal du Midi. C'est magnifique. Et en fait, tout le monde sait que les arbres apportent du bien-être aux gens. Ils en ont besoin pour se sentir bien. Une ville sans arbres, mais les gens, ils étouffent. Pas seulement au sens propre. Ils étouffent parce qu'on est fait pour être proche de la nature. Donc oui, Thomas, je suis d'accord avec toi. Il faut amener les enfants dans la nature. Et c'est pas dans les jeunes arbres qu'on va construire des cabanes. Hein.